Ah. Eh, c'est pas beau ça? Eh, je me suis fait chier pendant 15 ans parce que je savais pas comment on faisait. Ah, je sais pas parler non plus, sa mère. Ah putain. Bon. Ah, mais je suis chez... Ah ouais, mais pardon, c'est vrai que j'ai le micro devant la bouche. Oui, mais quand il y a des gens, je mâche la bouche fermée, mais quand je suis chez moi, je suis littéralement un porc. Hein. Je suis vraiment un homme de Cro-Magnon quand je suis chez moi. Tu vois le fromage? Moi, je le coupe pas. Non, je le prends et je l'enfourne dans ma bouche, tu vois. Je crois que ce qu'il y a. Bon, jouer. Oui, lui. Hop, et hop, voilà, c'est parti. Ah, je sais, sinon, non, je suis bien élevé en général. Ah, je suis bien élevé, quand même, SVP. À vous de jouer, Fischer. Et Alors je vous le oui, répète, on ne peut pas se je permettre de recommence la leak. mission. La NSA n'opère pas aux États-Unis. Monsieur... On n'espionne pas les autres agences. Je suis pas là. C'est ça. Normalement, ils sont... Mais normalement, le Vous son, il est n'existez bon. plus jusqu'à la fin de la Est-ce mission. que le son... Est-ce qu'on m'entend au-dessus de lui? On a synchronisé le Au-dessus minuteur de votre du montre Nigrito. terminale sur une pause dans les Avant que je ventilateurs raconte du ma vie système encore. d'aération. Profitez de ce créneau pour votre insertion. Salut, Mortagnon, comment ça va? Merde! Attends. Bah. Ah. Elle est juste au-dessus d'un cran. Ah là. Elle est pas vue! C'est bon. Ah mais j'ai du temps! Ah. Putain, mais tu me demandes de faire des trucs, c'est timé là! Ah. On doit appliquer le règlement, Vartavar. Il y a quelque chose là-bas. Qu'est-ce que c'est? Un intrus! Ah, c'est bon, viens. Oh là là. Oh. Je peux recommencer le stream. Viens, on dit qu'il est 20h01 là. Oh merde. Oh putain. J'avais tout prévu. Tout bien. Mais non. Attends, je vais baisser un peu le son. J'ai fait ça à l'oreille, mais vu que je suis sourd, ça marche pas bien. Voilà. Je vais baisser les voix et augmenter un peu l'ambiance. Voilà. Hop. À vous de jouer, Fischer. Et je vous le répète, on ne peut pas se permettre de victime. Du coup, je disais, ouais, genre, je recommence l'émission. On espionne pour ceux qui ont vu le stream, agences. Je suis pas là. 3 mois. Ça. Putain, il y a 3 Vous mois. N'existez plus jusqu'à la fin de la mission. Oh merde. On a synchronisé le minuteur de votre montre terminale sur une pause dans les Putain, ventilateurs du système fou. D'aération. Profitez de ce créneau ouais, pour votre insertion. Vu que ça buguait un petit peu et que j'avais un petit peu assassiné la moitié du monde, je la recommence, hein, qu'on se mette bien. Non, je garde aucun défi. C'est mort. Ah non, c'est une des permissions du premier, hein, clairement. Par contre, je t'encule, Elda. Hein. On doit appliquer le règlement, Bartabar. Et c'est Bartabar, je crois. Y a quelque chose là-bas. Merde. Merde. Putain, j'ai oublié comment on joue, j'en ai fait un temps. Ah, parce que j'ai pas d'armes en plus. Ah, mais c'est génial. Ah, mais c'est dans cette mission que j'ai le SC20K. Oh là là, putain, qu'est-ce qu'elle est casse-couille celle-là. Par contre, je suis un peu de celle d'après. Hop. Marche combien de temps? 40 secondes, il se recule. Mais c'est même pas buter personne, c'est même. Tu peux même pas incapaciter ni rien, enfin, c'est vraiment casse-couille quoi, c'est chiant. Juste c'est chiant. Moi aussi j'apprécie platoniquement. PD va. Ok, bon ça au moins j'ai pas oublié. Non, descends, descends. Voilà. Alors. Ok. C'est quoi l'objectif? Où c'est qu'il faut que je vais? Serveur central. Ok, oui, bah oui, échec si je tue un américain, classique. Ils le font déjà très bien eux-mêmes. Ah non!
On dit nos mots avant en permanence. Con ou quoi, Hoffman? Aimerais-tu les sexes masques? Qu'est-ce que c'est? C'est rien, tu sais. Ha ha! Sexe! Non? Tu vois pas? What? Tu veux? Ok. Je suis l'ombre et la lumière. Personne ne peut me voir. Plus ou moins un gros P. C'est bon? Eh merde! Ouais, c'est ça, t'es pansexuel, c'est ça? T'es attiré par les êtres intellectuellement intelligents? Je fais n'importe quoi. Hein. Hop. Et hop, ni vu ni connu! Hop, Jack, voilà, parfait. S'il te plaît, c'est ouvert, yes. Je crois qu'il y a un gars. Là? Attends, j'ai mon Steam derrière qui fait de la merde. Ah mais non! Ah putain, mais c'est parce que j'ai... Putain, c'est casse-couille, ça. Vu que je mets mes wallpapers qui changent toutes les minutes, ça me... fait une espèce de rafraîchissement d'écran quand je suis en stream. Alors que quand je joue, ça me le fait pas forcément. Non, c'est mort. Je mets pas de défi, pas ce soir. Comme je disais, j'ai dormi 3 heures hier, je suis claqué. Ouais. On a un intrus dans mais le non, bâtiment. Mais non, je dois tout recommencer. Nique ta mère, voilà, c'est bon. Il est pas mort, main en l'air. C'est bon, on l'a eu. Non, trop pas, je suis genre... Rompiche. Eh, je dors. Chier, putain. À vous de jouer. Elle est sous le garde-auto, tu te souviens? Tu viens qu'il y a une sous le garde-auto? La NSA n'opère pas aux États-Unis. On n'espionne pas les autres agences. Je suis pas là. C'est ça. Ouais, du coup, si vous voulez un Splinter Cell avec des défis. Le moniteur de votre montre terminale sur une pause dans les ventilateurs du système d'aération. T'en choisis un, toi, là, tout de suite. Et puis, je pense que. On doit appliquer le règlement. Attends, mon cerveau, il arrive pas à réfléchir. Quand il y aura un vendredi vénère, je ferai ça avec un défi. Qu'est-ce que c'était? Eh non, sérieux, j'ai du mal à réfléchir pour de vrai. Mais en plus, tu vois, j'ai essayé de faire une sieste et tout avant de streamer, tu vois. Genre, ouais, vas-y, je vais dormir un peu, comme ça je serai frais et tout. On pourra faire des blagues bien. Et ouais, bonne animation, ça va être bien, on va s'amuser. Ah, j'ai pas fermé l'œil une seconde. Envie de mourir. Tombe, lâche. Tu vas se mettre avec des défis de vous-même. Ah, mais c'est pas le but. Le but c'est de me faire galérer un vendredi, trou de balle. Non mais faut que je joue avec les jeux. Ouais, des blagues bien, genre regarde comment je joue aux jeux vidéo. Elle est pas bonne celle-là. Magnifique. Un humoriste. Comment j'accède à l'inventaire? Ah, comme ça. C'est... F4, F5 pour les... Ok. Merde. Regarde-moi ce hackerman des portes. Merde. Merde. Ok. Ok, lâche le sang, là. Oh oui, oh là, elle est tendre. Oh. Oh oui, oh, délicieuse. C'est intéressant comme ça, poteau. Mais j'ai même pas de gun. Non, j'ai même pas de gun, j'ai que dalle. Je sais plus s'il bouge. Je crois pas qu'il bouge. Il regarde cette... boîte électronique.
Nique ta mère. Hop, bien et toi, hop, ça va, ça peut aller, ça peut aller. Oh, attends, mais il y a des trucs cool ici. Bah, carrément, je prends. Ah, le SC20K qui est bien teasé comme un porc. Putain, il va faire tellement plaisir quand on va l'avoir. Bon, du coup, il y en a un qui est là-haut. Oh, ça m'a fait peur, sa mère. Si je mets un petit billet dans le sub, il ira pas faire un petit marathon s'arrêter chez la CIA. Non. Pas de plan qui est. Ah ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai que ça. Ouais, mais. Oh, je vais mettre en tout. C'est mort. Merci Hoffman pour les un petit buc. Mais c'est. Va manger une part de tes grands morts. Choqué. Cloqué déçu. Ah, excuse-moi, hein. Ça d'avoir les mains moites. Qui est-ce? Montrez-vous. Ma point de vue. Tu me vois pas? Je suis invisible. Je suis l'ombre. Je suis un. Non! Un intrus! Et merde. Je vous trouverai. Mais je suis en dessous de toi. C'est quoi pour recharger? Parce que. Attends, non, peut-être que je peux. Attends. Allez, gros cul! Allez! Et mange tes morts! Importe qui c'était, il est mort. Oh, super! Oh, c'est bien des Américains, ça! Bon. Ah, je suis là. Attends, fais voir ce que ça fait les crochets explosifs. Si ça fait du bruit ou pas. Absolument pas, mais c'est génial! Mais c'est une idée de génie! J'ai peur, je crois qu'il y a l'argent. Mais je le ferai un jour, hein. Je le ferai un jour, ça arrivera, hein. Ça, c'est... Il viendra un jour dans cette putain de liste de mes. J'ai pas envie de jouer à Blacklist, sérieux. Ça, peut-être dans 6 mois, 1 an, 8 ans, jamais. Peut-être. Bah, ma prochaine. Ma descendance. Ma descendance jouera à Blacklist. Oui, je me rends compte que j'aurai une descendance un jour, mais. Eh, le futur. Voilà, imprégné des robots, tout ça, tu connais. Ouais, je sais que les gens ils ont envie de me voir pleurer toutes les larmes de mon corps. Et coucou B44. Toutes les larmes de mon corps sur ce jeu à la con là. Tu sais que j'ai pas passé le. J'ai acheté la collector du jeu. Donc Day One, hein, classique Yankee, hein, qu'on change pas les habitudes. Et d'ailleurs, elle était pas trop mal, le collector était sympa avec Sam Fisher, hein, avec un 48 et tout, c'est stylé. Et donc, du coup, j'ai claqué genre 100 balles, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, c'était ça à l'époque. Ouais, 100, ouais 100, 100, 120 balles peut-être. Et je lance le jeu, tu vois. Du coup, moi, je m'attends à entre du Chaos Theory et du Conviction, tu vois, un espèce de melting pot des deux. Et il a bougé. J'ai peur. Et j'ai fait les premières missions et genre les trois premières missions je crois. Et après j'ai pleuré. J'ai sorti le CD de ma Xbox. Non, c'est sur PS3 je crois. Je l'ai rangé dans sa belle boîte qui brille. Et depuis je ne l'ai plus jamais retouché. Vraiment, je ne l'ai plus jamais relancé. Zéro. Pas une minute de jeu. Et je m'en porte très très bien. Je suis fatigué, mais sinon ça va, B44. Mais allez, comment je le nique, lui? Je vais pas le juste passer derrière. Tu me vois pas, là. Tu me vois pas, hein. Mais putain. On a un intrus dans le bâtiment. Non, y'a personne dans le bâtiment. Y'a personne dans le bâtiment. 8. Optons pour la fuite. J'ai un HP, ça commence super bien. Dire qu'on va le ressortir. Non, je le prendrai sur un PC, tu vois ce que je veux dire. Enfin, après, il doit plus être très cher vu que c'est pas vendu. Je sais pas si c'est vendu. Je m'en fous d'ailleurs. Et qu'ils ont fait. Putain, vas-y. Et dire que j'attendais un nouveau Splinter Cell à cette I3. Attends, je faisais kit de soins, s'il vous plaît. Yes. Yes, ça m'a rendu un tout petit peu de vie, j'ai mangé un petit cachet. Putain, fais chier.
Non, tu me vois pas. Non. C'est pas dans celui-là où il y a Jérusalem. Je sais plus dans lequel où il y a Jérusalem. Je sais plus si c'est lui ou pendant un moment. Pendant un moment que j'ai hâte de refaire. Que j'ai pas fait depuis 10 ans, je crois. Ah, c'est un pendant un moment. Ah, je crois que je l'ai pas fait depuis plus de 10 ans. Parce que je... Bon, je crois. Comment allez-vous? Comment ça, MKS? En ce lundi. Je sais pas. Bon, il était pas excellent, mais. Chaos Theory est excellent. C'est un des meilleurs jeux de la série. Voire le meilleur jeu de la série, d'ailleurs. Salut à Poc, comment ça, poto? T'as vu que je t'ai pas dit poto, hein, MKS? Si tu peux aller te faire enculer, sale chien. Ouais, je suis aimable, ouais, je suis amical. J'ai dû me lever à 5h et je suis couché à 2h30. Ah bah, moi aussi, dis donc. Ça nous fait un truc en commun. En plus d'être de gros connards. Putain, qu'est-ce que je. Ouais, bah ouais, je touche un peu plus de thunes, mais vas-y. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur de se lever à 5h. Ah. Au revoir, B44. Ouais, bah moi aussi, je bosse trop de balles. Mais je suis calme. Quoi, c'est parce que je parle trop près des micros? Aïe. Blacklist, il a 82 en métacritique et 17 sur 20. Sérieux? Sérieux, 82 en métacritique? Mais... Why, though? Bah ouais, on y croit. Carrément, j'ai un métier. Je vais toucher un salaire jusque fin août, moi, mon pote. Attends, où? Ça charbonne ici, hein. Ça a envie de se payer un loyer. Ah, je sais plus où il fallait. J'ai oublié. Il n'y a pas un rebond à la con à faire? Merde. Oui, puis je vais rembourser notre copain ici présent aussi. Ah merde. Mais attends, c'est pas ici, il faut que j'aille. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Mais comment je peux être perdu ici? Non, on s'en fout, c'est pas là que je... On fout ici, y'a rien. Casse les couilles. Tu fais un désactivé en plus, non? Bah non, il y a juste de la merde ici. Bah, on s'en fout. T'inquiète, tu seras, dès que je touche mon salaire, tu seras remboursé. J'allais dire en temps et en heure, mais non, vu que ça fait déjà 6 mois, mais. Mais tu seras remboursé en monnaie. Sonnante et trébuchante. Sur jeux.com, je parle de notre public, pas de notre journaliste, ou enfin l'un ou l'autre. C'est des merdes, donc. Voilà. Ah non, c'est là, il faut que je vais. Ah, c'est chiant là. Bon, bah, y'a rien ici. Et juste perdu de la vie pour. Que dalle. Rembourse en V-Buck. Je pense pas que ça lui fasse plaisir. Hein. Est-ce que j'ai accès à ma. Ah oui, j'ai accès à la thermique là. Oh, c'est cool. Alors vous voyez que dalle. Moi non plus d'ailleurs, c'est génial. Hein, on s'abuse bien. Ah ouais, je vois à travers les portes. Ah ouais. C'est logique. C'est logique. Je sonne ou pas? Non, c'est bon. Tu vas dormir à l'hôpital ces jours-ci? Tu veux dire quand elle se réveillera? Je vais faire. Écoute, c'est sympa d'être venu. Vendredi vénère, je vais faire ça en Splinter Cell. Ça y est, je avance que comme ça. Pendant 6 heures. On ne pouvait pas supposer que c'était une coïncidence. Je fais pas de bruit, hein. Je suis une ombre là. Hein. Et dis-moi si on peut faire quelque chose pour toi. C'est moi. Laissez-moi. Bonjour, monsieur. Non. Ok, c'est bon, ils sont cons. Ça veut dire, ah, hey, c'est un bon Splinter Cell Blacklist, on veut tuer des gens. Splinter négatif. Franchement, on tient un truc là. Je le brande, allez, c'est parti. Les longs plaies.
Ah, Billy, bouge pas, je crois. Tu peux faire une ronde? S'il te plaît. Attends, je crois qu'il y a une cadette dans le camp, si je me souviens. T'as rien vu, non? Je suis 50% en trop tard. T'auras 5% de mes royalties. ok. Salut Vito, comment ça, poteau? Ah, du coup, je disais tout à l'heure, Viteuf, le temps que j'envoie lui, chier lui là. Bah, c'est pas clic droit pour. Bah, non. Et trop de balles. Mais c'est quoi? Bah. F. A. E. B. Hein. C'est quoi les touches? Ça me va, mon salaire, c'est 4 fois le tien. Ouais, bah vas-y, regardez, moi j'ai un CDI, j'ai un emploi stable, il y a un appartement, une meuf. Ah, dormi. Attends, je veux jeter des canettes. SVP. Non. Tab. Ché. Hop. C'est pas normal. Oh merde. Putain, mais attends, l'IA elle est intelligente. Mais non. Mais oh merde. Oh là là. Là tu me vois pas, je suis une plante, je suis un légume. Amdoula, je vous fais quoi de pour rien? Absolument rien. Vraiment. Attends, ça nique. Un intrus. Merde. N'essayez pas de vous cacher. Oh merde. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui se ramènent dans ce moment? C'était là. Et il a disparu. Il est dans les parages. Il doit pas être bien loin. C'est un petit coup de savate dans son vieux crâne de chauve. Ah non, il part. Il est dans les parages. Il doit pas être bien loin. Ok. Crevé par le taf, heureusement il y a de la bière à le petit stream du soir. Bah, fais-toi plaisir. Ah mais si, c'est possible, il faut le niquer en haut parce que sinon on se fait repérer. Hey Bill. Hop, en bas. Plus sûr. Non, je peux pas. Sam Fisher a donc non euclidien. C'est parti. Ok, oula. Notre agent à l'intérieur vient d'appeler. Votre F2000 est à sa place. Vous le récupérerez dans le magasin derrière le générateur de secours. Chouette. Si je vous donne cette arme, ce n'est pas pour vous en servir. Si, carrément. Vous êtes la victime et la mission est terminée. Et merde, oh putain, ça commence bien. Oh, il l'a mangé dans la nuque. Ah, je fais petite run avec Man, hein. Faut pas m'en vouloir. J'ai envie de sang un petit peu là. Bien. Bon, je peux pas lancer des mallettes, moi, mais. Hop, merde. C'est vrai que je peux. Tu vois, dans Blacklist, tu peux ouvrir les portes avec un cadavre sur le dos. C'est le seul truc bien que j'ai trouvé au jeu. Oh bah, dégage. Ouais, mais il y a des missions, tu peux pas tuer tout le monde dans l'expérimental. La gaming. Si, bah, du coup, ça serait. Ce serait conviction quoi qu'il faudrait que je fasse. Enfin de toute façon moi je pensais de plus en plus à le faire en. Ouais là où je peux mais. Mais je pensais le faire parce qu'il est pas si long que ça je crois conviction. Genre je pense qu'en 5 ou 6 heures ça peut être plié. Qui a fait ça? Ah non il me voit pas ce verre. Par contre qui a fait quoi? Y a quoi? C'est quoi qui gêne là? Y'a quoi littéralement qui te gêne? Dégage. Parce que ouais, du coup, conviction, si je veux le faire en courant, je peux. Si je veux tuer tout le monde, je peux. Donc bon, ça va, il est assez bien à ce niveau-là. Vu que, putain, Chaos Theory pendant Asumoro, oh là là, mais tellement hap quoi. Tellement tu te tiens à carreau en permanence. Mais ça change pas que c'est des bons jeux. Votre attention s'il vous plaît. Veuillez noter qu'il n'y a plus de zone fumeur à la cafétéria. Allez, pour les personnes désireuses de fumer,
Mangez vos mères, les fumeurs. Sur la terrasse du cinquième étage. Je crois qu'il y a un con ici. Eh, hey, rallumez la lumière. Oh là là, c'est IA, on se fait pas chier. Et en même temps, je le hack, hop. Il va me voir avec les réflexions, non? Enfin, la réflexion avec lui. Je vois quelque chose. Ah, voilà. Eh, hey, franchement, pour un jeu qui a 13 ans, l'IA, elle est moins conne que sur certains jeux, hein. Comme Shadow of the Tomb Raider. Voilà. Eh, je l'ai fini. Je l'ai fini ce week-end. Il me reste juste un DLC à finir et je le supprime. Et putain, qu'est-ce qu'il est naze. Enfin, il est pas nul, mais... Si tu veux jouer à un jeu d'aventure, bah, achète une PS4 et joue à Uncharted, quoi. Vraiment, hein. Je ne lirai pas ton commentaire. Et je ne te répondrai pas. Espèce de malotru. Envers des gens. J'ai pas envie de m'enfoncer. J'ai déjà fait une fois. Vas-y, c'est bon, j'ai le fils cocu maintenant. Non, pas tous. Le premier, le reboot, il est cool. Hop, alors ça, je prends direct. Ouh. Ah, she good. Ah, she good. Non, mais non, je peux pas y aller. Ah, je sais pas. Mais non, le reboot il est très bien, justement parce que c'est le premier de la lancée, hein. Du coup, il est cool. Est-ce que j'ai des mots de passe? Note. 29, oui, c'est tout. Mais le premier est cool. Le second est une horreur parce que toute la fin est repompée sur le premier. Vraiment, y a aucune imagination. Et là, le dernier, parce que je crois que du coup, ça termine un petit peu... Enfin, ça termine. Enfin, ouverte, hein, classique, hein. Mais ça termine la trilogie, je crois. Et c'est complètement repompé sur Uncharted. Genre, c'en est pas drôle, quoi. C'est pas juste, ah, tiens, ah, c'est rigolo. Non. Si on n'a pas d'idée, on fait comme eux, quoi. C'est dommage, oh, le scénario est relativement sympa, genre... 29... Genre c'est... Putain merde, c'est pas celui-là. Genre c'est pas horrible, tu vois, mais... J'ai cru voir quelque chose. Mais non. Ah oui, d'accord, ok. Mais c'est pas fou du champ, quoi. Et le gameplay, j'en parle même pas, hein. Le gameplay, il est tellement claqué. Oh là là. Et le jeu il est bugué de partout. Bon après j'avais pas une version tu connais hein. Voilà. Mais merde. Mais qu'est-ce que... Mais non mais merde. Oh mais non. Non, je te mords. Bon et ben on va improviser. Cette opération repose sur la discrétion. Attention aux alarmes. Oui bah je suis là, c'est bon, allez. On n'a pas l'air de le stresser plus que ça. Ça va, monsieur? Vous bossez bien? Tranquille? Okay, okay. J'arrive, hein. Ne bouge pas. Si je vais, hop. Attends. Pas de sang le couloir, quand même. On va trancher, gros bizarre. Nigraï. Merci pour les imbiques. Ah bah... J'espère que c'est un stream de qualité. C'est probablement pas ça, mais en tout cas dans ma tête ça l'est et c'est le principal. Non? C'est pas ça qui compte? Que ce soit le principal? Que je sois heureux? Non? Tout le monde s'en fout. Tant mieux. Bon attends, j'ai pas le code d'accès. Ah, 66-87. Non, pas du tout. 76-87. Voilà. Hop. Non. Oh, quel autiste, sérieux. Ah, mais je peux pas le lancer à la main. C'est le même effet. Aïe. Oh merde.
J'entendais pas s'il soit là. J'ai entendu quelqu'un. Mais putain, mais... Et tout était prévu. Ok, peut-être pas tout. Non, c'est bon, ils sont cons. Oh merde. Il voit pas l'ombre massive qu'il y a au-dessus. Par contre, si je tombe là, je peux pas. Ok, c'est bon. Et hop. On va faire ça. Je vais manger. Voilà. Petite sauvegarde. Celui-là, 29. Mes yeux doivent me jouer des tours. Ah. Oh, il... Cet homme ne m'a pas... Ah putain, 11.05.98. Non, mais non, je veux pas ça, je m'en fous. C'est presque mon... Putain, mais c'est presque mon jour de naissance, wesh, c'est que c'est... Wesh. À deux jours près, c'était mon... Mes coordonnées de naissance. C'est bon. Attends, je suis super triste. Merde, bon bah, ouais, t'as pas de flingue, dégage. Je ne comprends pas. Il est tombé. Essayez pas de et cacher. Merde. Putain. Je vais attendre. Qui a fait ça? C'est bon, je gère. C'est bon, j'ai la situation main en main. Tout va bien, tout va... tu vois rien. Hop, t'avais un truc à dire? Non, non. Oh putain, je joue comme un porc. C'est une horreur. oui, ah yes. Oh il est beau. Oh il est beau. Hop. Et hop, parfait. J'ai mis les balles annulaires, ok. Merde, ok, c'est clair pour utiliser. Génie. Qu'est-ce que j'adore ce flingue. Ouais, je suppose. Tu connais quelqu'un qui a été blessé? Bien. La vache. Merde. Je peux vous aider. Ok, je pensais pas qu'il allait se retourner en parlant. Attends, je vais couper ça parce que j'ai mal aux yeux. Hop. Eh, hey, je m'infiltre bien ou je m'infiltre pas bien là? Non mais oh. Zéro alarme, zéro mort. C'est parfait. Ben je le mets où? Et maintenant je le mets où? Eh, c'est bien beau ça! Trou de balle! Même si tu casses les lumières, ça sert à rien, mec. Attends. Je peux casser ça ou pas? Non, je sais pas. Dommage. Voilà! Voilà, parfait! Ah, clairement, hein. Non mais je devrais postuler pour faire le prochain 007. Je suis sûr que je serai une bête. Je m'infiltre partout, je fais ce que tu veux. Un espion, mouah, comme ça. Fisher, d'après le GPS, vous n'êtes plus très loin du serveur. Grimms de tir est prête à détecter d'où vient la fuite dès que vous nous donnerez accès. Ok. Ah mais je peux y aller comme ça, je crois. Si. Sortez, que je puisse vous voir. Hop. Avec des gadgets à base de sifflard. Ah mais ça, classique. Des gadgets sifflard et... merde. Saucisson et Ricard, let's go. Ouais, l'agent secret marseillais, ouais, bon, bah oui, bah voilà, quoi. Et qu'est-ce que tu veux, Kong? Je m'infiltre moi. Oh, pour l'infiltration. Pas si beau ça. Ni vu ni connu. Non, tu ne demandes pas de permission, c'est moi la permission. Je te permets pas. Caméra glu. Ah, oh, extracteur, je pense ça. Merde. Voilà. Si jamais, se trouve des petits mots de passe.
Je crois que je m'étais arrêté là, sur le stream d'avant. Mais bon, ouais, de toute façon, ça datait d'il y a littéralement 3 mois, donc. Même moi, j'ai oublié, tu sais. Si je peux y aller direct. Ah, ouais, non, d'accord, ouais, si, ouais. Ouais, non, je peux y aller directement, mais ouais. Ouais, non, code d'accès, non, m'en fous. Ah, c'est ça, principal, 29. Celui-là. Yeah, yeah. Ah non, c'est juste en bas, je crois qu'il y a un mec. Voilà toi, petit enculé. Oh attends, je peux lui tomber sur la tête et le mettre KO. Si je dis pas de conneries. À part s'il monte. Montez où chacal maintenant. Est-ce qu'il a des pop? Ah, je crois qu'il est dans l'autre salle. Non, c'est pas grave. Dommage, je voulais avoir du fun, mais j'ai pas le droit. Génial, merci, merci Sam. Hop. Ah, oui, c'est bon. Elle est tellement blanche, leur salle des serveurs, c'est. Ça en est limite oppressant. Tout se passe comme j'avais prévu. Normalement, il n'y a plus personne d'autre à part lui qui répare viteuf. J'ai clear en haut, je crois. Oh, oh, ça me nique les yeux. Mais non, merde. Hop, et voilà, je viens de hacker bon, la CIA. On est dedans. Bon, Grim. Je suis dedans. Ça vient. Voilà. La fuite vient d'un PC basse sécurité. Ah celui putain, je me souviens de celle-là. Michel Dougherty. Super. Enfin, c'est la suite de l'émission, mais. Dougherty est votre nouvel objectif, Fisher. Je télécharge les détails sur votre montre terminale. C'est tellement à dire la montre terminale. Je crois qu'il faut que je remonte là, non? Merde, non. 121, oui, blablabla, ouais, ok. Merde. Ah, je crois que là, faut que je remonte complètement. Pour aller biohacker l'autre con. Y'a pas de porte ici. Ah, non, forcément, y'a pas de porte. Puis là, y'a rien. Ouais, y'a rien. Ouais, non, faut que je revienne en arrière. Let's go, boy! Let's go! Ah non, l'outil c'est 19 ou Ah ouais. Sur l'automate, je sais pas, y'a plus de batterie. Aïe aïe aïe. Ouais, bah attends, ils ont des prises partout la CIA, vas-y, c'est bon. Branche viteuf, ni vu ni connu. Ah, mais ça sert à rien ici en fait. Hop. Tiens, d'ailleurs, parce que je l'ai fini cet après-midi et c'était génial. J'ai fini de mater Kuroko's Basket. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un animé sur le basket, comme le nom l'indique. Bande de giga autistes. En tout cas, c'était génial. Quelqu'un qui fait pipi? Fait pipi? Fait pipi? Non, fait pas pipi. Je crois que je peux croquer le savon là. Oh, miam, miam, miam. Délicieux. L'accès aux terminaux est interdit aux utilisateurs et aux administrateurs jusqu'à nouvel ordre. Tu mords pas deux fois, sale chien. Dis. Oui, Stiti. Ici, crabe. Allez, dégage. Merde. Plus, c'est de la merde là. Voilà. Pas de son impur sur mon stream. Yep. Ah mais j'aurais peut-être pas dû. Voilà. Hop. Pourquoi j'ai fait ça? A chaque fois je crois que c'est pour viser mais absolument pas du tout. Et c'est juste un peu plus loin que ça avait bugué. Pour des raisons que j'ignore. Est-ce que je peux niquer les caméras avec?
peut-être oublié qu'il y avait de l'inertie. Putain, mais vas-y, mais ce jeu il a 15 ans de code. Depuis quand il y a de l'inertie? Depuis quand c'est pas juste tout droit les balles? De tout. Je crois que je me suis repéré en boucle là. On sent qui c'est qui peut. Oh. Mais qu'est-ce que. Et merde. En raison des événements, tout le personnel de sécurité reste en patrouille de niveau 3. Oh là là. À un pixel lui appuyer. Ah bah Benap, Rome 2, pas de problème. C'est pas. Et armée merde. La sécurité. On a un intrus. J'ai tout mis à côté. J'ai tout mis à côté. J'ai legit tout mis à côté. Qu'est-ce qu'il y a, Basie? Ah, ça fait pas cric con cric. Oh, je suis déçu. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te plains, Basie, encore? Oui, mais j'ai pas, je peux pas prévoir des gens qui arrivent dans mon dos. Si, en plus, je savais qu'il y en avait un, là. Je suis une sale merde. Ah, il est là. Sortez, que je puisse vous voir. Hop. J'ai un intrus à l'image. Il a mis tout ce temps pour me repérer, putain. Oh, merde. Bon. Et cette fois-ci, je me fais pas repérer. Hop. Bon, du coup, est-ce que ça va ressonner là-bas? Ah, moi aussi. En raison des événements, je vais faire. Tout le personnel de sécurité reste. Non, c'était bien, bugué la dernière fois. Ah. Ah. Ouais, mais attends, mais. Ouais, mais j'ai pas le code. Ah, si. Ah si, peut-être. 11-07-00. Ah mais attends, mais ça casse. Est-ce qu'ils vont... Et vraiment... 11-07-00. Une chose, ça marche. Yes. Vite. Tu vois rien, y'a rien. C'est qu'une ombre. Dis à Clarence qu'il va se retrouver au chômage. Personnel non autorisé. Charlie. Allô. Hé, hey, tu m'entends? Mais non. Je raccroche. Essaie de me rappeler. Mais c'est trop bien. Mais mec, j'avais jamais entendu ça. Mais attends, mais c'est trop stylé ce jeu. Putain, Nick, comment ça me terrifierait d'entendre le sifflement. T'es là, t'entends. Ouais, je sais pas siffler. Bon, bah t'imagines le sifflement bien. Tu dis, oh merde, putain, là, c'est Yao con. Putain, c'est je suis surpris. Mec, le jeu il date d'il y a 15 piges, il y avait des petites blagounettes. Enfin, non, c'est de la merde, mais. Enfin, des jeux de maintenant que ça, il le ferait pas. Je pense. Ok, donc ça. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est. Ouais, non, j'ai pas eu peur, c'est toi qui as eu peur. Putain, voilà. Putain de tourelle à la con. On a nouvel ennemi plus ou moins introduit. Les bonnes tourelles qui vont être posées en plein milieu des couloirs. On apprécie le. Ah, c'est. Ok, ouais, ok, ouais. Yaït! C'est bien, Madness, pour les 17 mauvais moments. Ça veut dire photo. En plus, c'est un tir 3. Ah, hop, oh, ok. Je vous ai envoyé le dossier de Dougherty. Recherche documentaire, bureau 508. Qu'est-ce que je fais de Dougherty? Ne vous occupez pas de lui.
On vous recontacte dès qu'on en sait plus sur lui. Pas de problème. On a retrouvé des traces des images dans un service de transfert de données aux Pays-Bas. Une autre à Bangkok et trois au Canada. Un ordre précis ? Non. Reviens au début et monte le son. L'avarice stupide et l'arrogance insensée d'une nation qui croit encore à l'existence d'une superpuissance mondiale. Attends, reviens à qui croit encore ? Quoi, le bout de chaîne ? Ah, c'est l'émission de l'abattoir. Qui croit encore à l'existence ? Non. On dirait un mugissement en fond sonore. J'ai rien qui va, mon nom, bah tu vas pouvoir le claquer là parce que. Tu vas rien avoir du gameplay du gameplay qui met en colère le. Non, le Papy rien. Monroe. C'est juste là. Une vache peut-être. Franchement, je l'entends pas. Moi, j'entends un bruit de chaîne sur avarice stupide. Je vais vérifier avec les gens des médias. D'accord, je reste ici. Attends, c'est. J'avais. Enfin, ça fait longtemps du coup, on se souvient plus, mais. Je me souvenais pas qu'il y avait autant de détails. Et je trouve ça super agréable en fait. Rien que pour l'ambiance et je sais pas, l'implication du jeu, je trouve ça génial. Je crois que c'est lui ce que de Dougarty. Ouais, oh, c'était lui. Bon c'est travail, con derrière, là. Qu'est-ce que ça donne, Grim? J'y travaille. Une porte dérobée, on dirait la patte de Philippe Mas. Ça me renvoie sur un serveur. Serf Kalina underscore VA. Oh là là. C'est-à-dire le bâtiment oh Kalina. Oh non, la mission Kalina Tech. Ah, bon sang. Quelqu'un m'a repéré. Ils ont fermé. On vous recontacte. Non, non. Fischer, vous allez devoir embarquer. Oh, absolument pas dans mes veines. Qu'est-ce qui est arrivé à Grim? C'est notre problème. Le vôtre, c'est Dougherty. Non, elle est gentille, Grim. Profitez d'une c'est de mon problème aussi. Pour lui sauter dessus. Consultez votre monde. Espèce de... Hein de chef d'échelon 3. Ou 2. Je sais plus c'est lequel, celui-là. Non, si, c'est échelon 3, mais... Si, c'est toujours échelon 3. Merde. Attends, ça fait tellement longtemps, j'ai oublié. Ouais, c'est échelon 3. Mais c'est quoi qui change, après? C'est juste la carte blanche qui change. Ouais. Ah non, d'accord, échelon 4, putain, j'ai complètement oublié. Attends, mais comment je passe là? Enfin oui, comme ça, mais... Sub-tier 3, échelon 3, F3. J'ai envie de dire l'année prochaine, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai envie d'un nouveau Splinter Cell? Ça, vraiment, hein. Tu me dis d'assassiner quelqu'un et demain j'ai un nouveau Splinter Cell, je le fais. Hein. Rien à perdre, tout à gagner. Bon bah. Mais mon élé. Mais. Non, ok. Mon électrocuté. Non. Il dort. Il fait dodo. Il est pas. Il fait dodo. Faut que t'assassines Michel. Michael Ironside. Il blesse un dent. Et je fais en sorte qu'il est mort. TKT. Hop. Et là, c'est de la bonne filature, comme on aime. Sans pouvoir rien faire d'autre. Je sais pas qui c'est, hein, donc... Ah, tu peux caler un manfou, ça sera légendaire. Enfin non, un manfou légendaire... Bah les couilles. Ah oh, bon sang, c'est dur, Don. Ouais, tu te rends compte dans le trou. Et elle va bien? Ça va, mais elle a eu chaud. Ah ouais. Elle a quand même vu des cadavres. C'est, fais attention avec ton café. De qui en général? Ah non, non, de qui? Non. Ma femme veut pas envoyer les gamins à l'école demain. T'as renversé ton café? Mon de Dieu. En fait, je devais appeler. C'est... Putain, le secteur. D'accord. Ah non, je veux assassiner quelqu'un qui relie. Non, mais j'arrive. Attends, je vais arrêter de chier. Je peux parler d'assassinat là. Faut que j'arrête. Vos gueules. Cassez les couilles. Le film, Mitch. T'en fais pas, va. Ouais, je vous offre ma baguette, d'accord. Tu sais que. Ah si j'ai vu.
Je sais pas si j'ai vu le premier Starship Troopers. Je crois que je l'ai vu, mais j'ai plus de souvenirs. Mais il est bien un petit air en plus qui siffle en vrai. Je peux entrer? Oh yes! Ladies! It's ya boy! Ah mais une petite avec ses chamblix là! Ouais, chamblix là! En même temps, c'est comme ça qu'on a l'air méchant, hein. Et ultra masculin. Regardez-vous, comme ça, là. Là, j'ai juste l'air con, mais... bon. Ouais, ça marche pas tout le monde. Putain, mais en plus, il prend son temps, cet enculé. La première fois, j'étais tellement stressé. Alors qu'en fait, c'est du pisse de chat, c'est de la merde. C'est nul. Bon, hop. Et là, ça se complique encore plus. Junior Wilkes est en position pour l'extraction. Il est avec l'agent Baxter, un expert en interrogatoire. Ils ont garé un fourgon de disparition derrière le bâtiment. Mais non. Mais comment ça a pu arriver? Oh là. C'est bizarre. Oh là. Non, franchement, il me tue, mec. Il me tue les doublages. Oh là, mais comment ça a pu arriver? C'est bizarre, ça. Oli. Oli. Un homme à terre. Je crois qu'il respire. Ouais, toi, tu respires aussi, c'est bon, dit. Bon. Ah, sur M6. Par, merde. Ouais, bah non, je suis pas drôle, j'ai oublié le nom. Qui c'est qui présente Zone Interdite? Je vois sa tête, mais je vois pas son nom. Putain, il est lourd ce gros cul. Eh, tu pourras aller courir, hein. Au lieu de t'empiffrer de baguettes. Dominique Chapatte? Non. Merde. On a un petit problème. Un type de la sécurité de la CIA est en train de discuter avec Junior Wilkes et Baxter. Comment il les a repérés? Il ne se cache pas. Interdit à la NSA d'être présente à l'ennemi. Ah bon, c'était sur l'instant. Le seul problème, c'est Dougherty et moi. C'est sûr qu'un ninja qui porte un col blanc assommé sur l'épaule, c'est plutôt louche. Alors ne vous faites pas repérer. Kick. C'est pas du tout par là. C'est absolument pas par là, quoi. Ah tiens d'ailleurs, parce que j'y pensais dans la journée, je crois, pendant que je suis en train de bosser, c'est qui le présentateur qui a fait de la coke et qui a touché des gosses? En tout cas, qui a surtout fait de la coke. Et je crois qu'il est mort. Ouais, tous, mais... merde, il avait fait parler de lui un peu, je crois, merde. Ah je sais, Delarue. Je sais pas pourquoi j'étais en train de penser, j'ai pensé à Delarue. Comme ça j'ai fait, attends mais comment il s'appelle lui d'aller déjà. Voilà, mais c'est quoi tout ce bruit horrible? Il est mort hein, Delarue, on est d'accord. On est d'accord. Ouais, qu'il m'entende et qu'il me fasse un petit flic. Hop. Ah, pour le de la rue, pédophile, je sais pas, mais ouais, c'est un gros adepte de règles de coke. Ouais, il est mort, ok. Oh non, non, je sais plus pour les enfants. Genre, j'aurais su, mais. Enfin, genre, j'ai su un jour, mais. Je sais pas s'il y a eu des allégations. Ou pas. Oh parfait.
sais, j'ai pensé à quoi aussi en bossant aujourd'hui à la chanson d'Indochine, j'ai demandé à la Lune. Et qu'au final, je me disais que c'était une putain de chanson de dégueulasse. Hey. Merde. Qui parlait de cul. Et ça m'a tenu en rigolance pendant le travail, pendant à peu près une heure et demie. Parce que j'arrêtais pas de me repasser des paroles et plus j'y pensais, plus je me disais putain mais c'est dégueu de ouf. Quand... Ah c'est dommage. Everybody, ils tirent sur ton coquille. Oh Dieu, Fischer, vous êtes devenu fou. Je ne sais pas quoi vous dire. Et merde. Est-ce qu'il a dabé à la fin? Nous ne le serons. Oh putain, je reviens là, t'es sérieux? Y a pas sauvegarde, plutôt. Oh, j'ai envie de mourir. Niveau chanson dégueu, t'as la suite de France Gueule. Et elle a chanté toute contente alors qu'elle comprenait pas le texte. Ah ouais, non, mais ça, il y en a des trucs comme ça. Et moi, enfin c'est vraiment eux qui l'ont écrit. Enfin, c'est du texte caché, quoi, tu vois. Mais genre... C'est pas mais, normal. Mais dis ta race. Qu'est-ce que... Oui, bon, vas-y. Il y a un cadavre dans le bâtiment, allez. Mais c'est pas un cadavre, il dort. Vraiment, en plus. Putain. Charger. Non. Ouais, je sais pas. Enfin, j'ai demandé à la Lune si elle voulait encore de moi. Tu remplaces ça par de la dalle et voilà quoi. Hey, c'est pas moi qui dis. Et du coup j'étais en train de rire pendant longtemps. Bon allez avance gros cul. Dès que je l'assomme je fais une sauvegarde parce que... Et je crois en avoir fait une pourtant. Casse les couilles. Bon allez dépêche de parler à ton pote là. Avec ta petite musique des Sims. Sur non, DS. Bon c'est dur, là où tu peux mettre de l'uranium dans ton hôtel. Et elle va bien? Ça va. Là quand on joue au Sims à ce Sims Lou quoi. Elle a quand même vu des cadavres. Et fais attention avec ton café. Moi j'ai séché avec les extraterrestres. C'est au Nevada. Ma femme veut pas envoyer les gamins à l'école demain. T'as renversé ton café filmé, quoi. Mon Dieu. En fait, tu peux aller. Il faut que je file. D'accord. Tu peux aller. Merde. Tu repasses dans le coin tout à l'heure. Chasser des extraterrestres et les autopsies et tout. Il va falloir appeler quelqu'un pour nettoyer ça. C'est trop bien. Je file, Mitch. T'en fais pas, bah. C'était vraiment trop bien. Par contre, le jeu m'a l'air un peu fort en fait par rapport à ma voix. Hop. Ok. Voilà, ouais, c'est mieux. Ça m'a l'air mieux en tout cas. Ah mais en plus il boit à chaque fontaine d'eau. C'est vraiment une sous-merde ce type. Non, tu m'as pas vu. Ok. Et qu'est-ce que tu fais? Ouvre la porte. Au lieu de mélanger tes grosses mains là. Voilà. Est-ce que... Ah ouais! Je me souvenais plus si ça va être utile ça, dans. Bah, Kali, attaque, je crois. De pouvoir regarder les empreintes bien chaudes du clavier. Avec lunettes thermiques. Principe complètement stylé, j'adore. J'ai trouvé le cadavre d'un des nôtres. Mais de qui? Oh putain. Mais il dort, l'hôtesse! Oh le relou! C'est la limite. Encore une alarme et j'interromps la mission. Junior Wilkes est en position pour l'extraction. Il est avec l'agent Baxter, un expert en interrogatoire. Oh merde. Ils ont garé un fourgon de disparition derrière. Oh c'est la merde. Mais comment ça a pu arriver? Ok. Oula, c'est bizarre. Un peu de concentration. Je
Mais non. Oh mais non, mais c'est dégueu. Mais c'est dégueu, mais j'étais derrière. C'est bon ? Pas d'alarme ? Ok. Mais j'étais quand même derrière. Hein. Normalement, elle aurait dû être assommée là. Ou au moins. Merde. Enfin, il aurait dû. C'est le principal, Ictaras. C'est vraiment une des pires fins de mission du jeu, celle-là. Genre le reste, j'ai pas trop de souvenirs horribles, mais celle de la CIA. Elle reste en travers de la gorge. Hein. Franchement, on passe ça là, on finit ça et après, c'est les doigts dans le nez, sérieux. Attends, c'est ce qui. En vrai, ce serait tellement bien. Un type de la sécurité de la CIA est en train de. Ouais, mais avec la Junior fin qui est attaque, c'est du rush, je comment crois, il les ça va. Il ne se cachait pas. Rien n'interdit à la NSA d'être présente à l'ennemi. Le seul problème, c'est Dougherty et moi. Oui. C'est sûr qu'un ninja qui porte un col blanc assommé sur l'épaule, c'est plutôt louche. Alors ne vous faites pas rebeller. Papa, vous devez voir. Ce qui serait bien, à la place. Ouais, ouais, du gunfight, donc ça va, quoi. À la place, enfin. En substitut, s'ils veulent pas faire un nouveau Splinter Cell. Ce serait de faire un beau remaster des anciens, vraiment 1, 2 et 3, remis en 1080p, enfin genre bien à bonne sauce et tout, tu vois. Ça, ce serait cool. Ça, tu vois, je mi buying the shit, boy, mi giving the money. De faire des jeux à la con que personne veut là. Salut Fufu, comment ça poto? Je suis une ombre. Tu ne me vois pas, tu ne me sens pas. Merde. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Ce que je veux dire en permanence à chaque fois que je me lève. le bruit dégueu. Délicieux. Ah. J'ai là. Mais quoi? Alors ça, pour se moquer, il y a du monde, mais pour avoir des discussions intéressantes quand je propose des idées, il y a plus personne. Hein. Ah super les mecs. Ah ça c'est bien. Allez bon copain. 80 euros pour visser des apparts. Eh mais non, mais viens pas là. Un intrus. Au nom de Dieu, Fischer, vous êtes devenu fou. Possible. Je ne sais pas. Ah, c'est dans Chaos Theory qu'on peut ouvrir la porte avec un corps. Oh, ça casse tellement les couilles ici, putain. Je croyais que vous aviez déjà un appart, funéral. Tu veux déjà déménager? Ça y est, t'as un travail, tu as investi dans l'immobilier. J'ai mais non, mais tu m'entends pas, mais Nictaras. En plus, j'ai plus rien. Non, bon, j'ai ça quand même. Eh non, mais c'est une blague par contre. Hein. Je crois qu'il peut pas venir sous l'escalier. Je crois. Hein. Ce n'était peut-être rien. Ouais, ouais, c'est le vent. Ou un rat. Ou un rat du vent. C'est bon, tranquille. C'est ton signe, un sorcier du chinois. Casse-toi les couilles. Le bruit est insupportable par contre, vraiment. Hein. J'ai envie qu'on prenne mes tympans, qu'on prenne un pic à glace et qu'on le fasse passer à travers les deux tympans. Ok. Et par toi. En plus, il y a deux gardes dehors.
Ok, ok. Ok, nice, le bruit qui s'arrête, je sais pas pourquoi. Parce qu'on avait avant, c'était celui de ma copine, un petit 25 mètres carrés, on va sûrement bouger dans un 52. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Mais quoi, mais de quoi, vous devez d'où? Mais d'où? Mais c'est John Wick tout le monde ou quoi? Mais d'où? Mais qui? Mais non! Mais aïe aïe aïe! Mais qui c'est qui m'a vu? Qui c'est qui m'a vu? Qui c'est qui m'a vu? Un intrus! Vraiment? Oui, bah non, un intrus, non, non! Ah bon, merci Sherlock! Oh, mais le bruit de ventilo, je pète un câble! Mais y'a pas que moi qui l'entends le bruit de ventilo, je suis pas fou, j'invente pas un bruit là! Quand même! Merde, on va sauter. Hop. J'aime pas, enfin. Bah si, je vis dans un 19 mètres carrés donc. Putain, 52 ça doit être gigantesque! Oh là là, ça doit être trop bien! J'avoue que si. Si je suis pas pris à la fac, putain. Si je peux trouver un job sur Nantes et avoir un appart un peu plus grand que celui-là, ça me ferait tellement du bien. Parce que bon, 19 mètres carrés au bout d'un moment, ça commence à devenir petit. Hein. Pas que je bouge ou que j'ai besoin de place, mais. Bon, c'est chiant quoi. Qui êtes-vous ? Oh, mais non. Non, mais c'est mort. Ça en fait une de trop. Possible. La mission est terminée. Hein ? Je peux pas bouger. Putain, et le gros cul, il me saoule là. Attends, je te laisse là, tu bouges pas, hein. Bon, je t'en colle une. Ouais, ce que j'allais faire. Oh mon Dieu, non, mais non, mais oui, c'est moi, oui. Comment vas-tu? Mec, mais tous les agents de la CIA, c'est John Wick. Sérieux. Le mec, il a dit un oh mon Dieu. Genre, il a vu un rat ou quoi? Non, non. T'as son pote, il a des cales. Deux balles dans le dos, c'était fini. Putain. C'est quoi leur problème là? En plus, je peux pas le tuer. Sinon, t'inquiète pas que les balles en tête, j'en ai déjà collé 2-3. Il est où? Ah. Non. Oh là là. J'ai vraiment hâte de le passer pour qu'on passe à autre chose d'un peu plus intéressant là. Ok. C'est marrant que ce soit bien. Un homme à terre. Je crois qu'il respire encore. Oh mais on non. A un intrus dans le bâtiment. Oh mais non. Mais mec. Ah mais moi aussi je me dépêche comme une merde. Eh mais c'est. Oh mais non, mais c'est ce bruit là, il me tape sur le système, j'ai l'impression qu'on me perce le cerveau à la perceuse. Non mais non. Juste non quoi. Bon vas-y, toi reste là. Tu as chopé un gigarume, je m'en fous.
Qu'est-ce que c'était ? Rien, le vent. Oui, caméra gauche, je m'en fous. Je sais pas si tu peux faire exploser. Qu'est-ce qui est possible ? Nom de Dieu, Fischer, vous êtes devenu fou ? Je ne sais pas quoi vous dire. Merde. La mission est terminée. Oui, mais il m'a fait peur aussi, j'étais sur ma petite caméra là. Merde. Bon, allez, vas-y, je la passe. Allez, j'arrête de faire le con. Arrête de faire des conneries. Allez, c'est bon. Qu'est-ce que c'était ? Ah, mais non, mais attends. Mais c'est The Sentinel aussi, le type. T'es là, tu marches, c'est bon, il t'entend. Ah là, tu entends pas un chacal. Putain. Tu la mérites fort celle-là. J'ai des visions. T'as rien vu. T'as littéralement rien vu. C'était sûrement rien. Oh mon Dieu, ne me faites pas. Eh hey, mais le jeu il veut ma mort, sérieux. Depuis quand tu te mets là? Depuis quand tu te mets devant la porte? Oh là, comme toi le jeu. Allez hop. Ok. Non, ça me fait cher, il y a une journée difficile là aujourd'hui. Je m'en fous. Oh bah dégage. Ensuite. Ah. Un des nôtres a été. Ah, un intrus. Je vous trouverai. Mais comment il m'a vu? N'essayez pas de vous cacher. Oui bon là il m'a entendu mais. Je vous trouverai. J'ai un HP. Ah, c'est bon. N'essayez pas de vous cacher. Je sais pas comment je vais faire là. Je vous trouverai. Oula, eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais. N'essayez pas de vous cacher. T'as mis où ce coup ? Un homme inconscient. Mais non, mais mec, mais comment il m'a entendu sérieux? Comment il m'a entendu sérieux? Mais avec les oreilles, oui. Faut pas que je mette l'autre con non plus là. Ah ouais, qui part en couille. Il est où le mécanicien là? Oh mon Dieu! Je vous trouverai! Non! N'essayez pas de vous cacher! Non! Ok. Je peux monter? Merde! J'ai tenté un truc. J'ai tenté un truc et je me suis mangé un mur. Non mais je vais la passer, c'est super pouvoir en fait à Sam Fisher. C'est le nouveau truc, vous savez pas. Il voit plein de passés, de présents différents qu'il vit. Et tous les loupés, bah, il les oublie. Et le seul vrai, c'est celui qui réalise. Hein. Et oui. Qui êtes-vous ? Personne. Voilà. Hop. Il voit des gens qui sont morts aussi. Non, c'est pas pour celui, ce connard. Qui est là? Hey, qu'est-ce qui se passe? Vous occupez pas de ça. Il m'a vu?
Mais pourquoi la musique qui se déclenche, j'ai même pas vu. Ça en fait une de trop. La mission est terminée. Oh mais non. Attends, j'ai un truc électrique. Vas-y, j'ai ramené l'autre gros cul. J'ai littéralement pas droit à l'erreur. Enfin si, vu que je peux sauvegarder, mais... Ah merde. C'est qui voit les gens qui sont... Ah non, c'est le gosse qui voit les gens qui sont morts. Et c'est Bruce Willis qui est mort. Oh ouais, c'est bon, c'est qu'un des têtes de l'histoire, hein, ça va. Ouais. Enfin après, il les voit aussi morts. Il voit aussi des morts. Du coup, j'ai raison. Voilà. Toujours raison. Tiens, s'il te plaît. Eh, mais le mec du studio qui a décidé de foutre un bruit là comme ça, j'espère qu'il est au chômage. GS, montrez-vous. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais une chance, j'ai loupé. Un intrus! Aïe. Ah non mais... Non, j'ai fait du caca. J'ai fait du giga caca là. Attends, j'essaie de le niquer, direct. Hey, qu'est-ce qui se passe? Vous occupez pas de ça. Il faut l'arrêter. Je suis une sale merde. Mais comment il me repère instantanément? Même au minimum il repère ou quoi? Ah non, c'est bon. Ouais non. J'aurais peut-être pas dû cramer mes balles annulaires. Petit DR, t'es qui? C'est toi que je veux. C'est toi la cible. Putain, on aurait bu que je lui ce gros con. Ah ouais? Putain, ce n'est plus. Bah vas-y, bah... Ah ouais, mais là, il y en a deux, ça va être compliqué un petit peu. Ah, je trouve un truc, Je vais master shooter comme il faut. Tout va bien se passer. Bon, tout ne se passe pas bien là, mais tout va bien se passer, t'inquiète pas. Fais gaffe, salope. Ouais, j'ai vu, t'inquiète. Hop, save auto. Oh mais non, mais ouais, faut faire le tour. Oh, c'est tellement... Eh, c'est vraiment une des pires missions, celle-là. Qu'est-ce que c'est? Ah, oh, ils sont incassables, celle-là, je crois. Ouais, ah, fais chier. Allez, temps d'axe. Bon, au cas où. Nom de Dieu! Non! Oh, je pensais qu'il allait aller vers le corps directement. J'aurais dû le mettre en plein milieu, le corps. J'ai fait le con. Qu'est-ce que j'aime pas les missions d'escorte, parce que c'est plus ou moins une mission d'escorte, hein, en soi. C'est vraiment les pires missions des jeux vidéo, ces missions à la con. Tu veux pas être tranquille, t'as littéralement une giga cible sur le dos.
Entre ça, l'émission timée, le cancer. Qui est là? Mais on non, a un mais... intrus dans le bâtiment. Ah oui, ah ouais, je suis un peu visible. Ouais. C'est plus une capture de flag là. On se valent, les deux se valent. Tu sais que je peux m'en servir comme bouclier humain, le mec là. Hop, on me tire dessus, hop, et voilà, invincible. Bon, lui pas trop, mais moi mieux. Ah, oh, j'aurais dû prévoir à boire, putain, j'ai rien à boire, chier. J'ai la gorge toute sèche. Quelqu'un m'apporte un iced tea SVP. JS, montrez-moi, un intrus. Merde. Non, faut que je chasse le. Je sais pas ce que je fais, pourquoi je peux. Enfin, si je crois que je pouvais monter sur le toit, mais non, pas du tout. Je vais me sauvegarder en dehors parce que le bruit là. Non, mais ça, un vrai ici du boulot. Oh yes, vas-y, je prends. Je prends tout pour Midrat. Enfin, non, des autres, pas forcément, mais. Juste, j'ai trop soif. Là, j'ai vidé toutes mes bouteilles d'eau et j'ai plus rien. Je commençais à les remplir avant. Comme le gros sac que je suis. J'ai entendu du bruit, je vais voir. Est-ce que ça fait des dégâts si je saute dans la poubelle? C'est pas la poubelle ça? Ouais non, c'est pas la poubelle ça mon pote. Ça c'est le sol et c'est 2 mètres de haut le sol. Voire plus. Bon attends, faut que je reteste. Ouais bah depuis que t'es parti manger, j'essaie de venir cette mission à la con, mais c'est compliqué. Non, c'est vraiment la mission la plus dure du jeu, la CIA. La plus dure et la plus chiante. J'ai là. Ouais, t'étais dessus là. Est-ce que je meurs? Mais c'est une poubelle. C'est vraiment un jeu paralyste, hein. Normalement, tous les héros, ils tombent dans les poubelles et toi bien. Hein. On sait tous que les poubelles, ça amortit les chutes. N'est-ce pas? Ah, tu me jettes dans une poubelle à 3 mètres, tu vois, mais je survis. Toi bien, tout le monde survit, c'est normal. C'est pour ça, les poubelles. Bon, les bennes, hein, pas ta petite poubelle fermée, hein. Ça, par contre, c'est un sport des Jeux Olympiques, hein, rentrer dans le rentrer de poubelle. Grand classique d'ailleurs. Il se barre ou ouais, non, ça rentre des escaliers. Et forcément, c'est un casse-couille. JS, montrez-vous. Et comment ça a pu arriver? Oh, je sais pas. Les ampoules, ça éclate, hein. N'est-ce pas? On entend encore me faire chier. Hop, hop, non, hop, hop. Oh, en mouvement, ça va être compliqué. Ici? Let's go. Ah. Absolument pas, ici, absolument pas. Il se tire absolument pas. Là. Bah. C'est quoi là-bas? Tu peux venir, STP? Non, tu me bait pas, moi. Non, c'est mort. Je sais que t'es là. Hein. Je sais que tu m'attends. Je sais que tu sais que je suis là. Hein. Je sais que tu sais que je suis là, que je sais que t'es là et que tu m'attends. Et merde. Vas-y, me saoule. Et où ce con? Bah. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais, bien, bien ça. Quoi?
Nick Nick, tu m'as menti. Il vient KO là hein. Ah oui, oh oui, le KO, ah oui, le, ah oui, le KO, ah oui. Ah oui, le KO. Putain, fais chier. J'espère qu'il a juste buggé comme une merde. Ouais, je pense, parce que déjà, je suis... il est même pas censé aller dans le coin, je crois, le bug, donc... Je crois que j'aurais pu le passer en plus. Oh non non, mais il y a eu le petit bruit d'immobilisation. Par contre là ça va être compliqué. Là ça va être très compliqué. Mais attends, mais c'est quoi ce bruit de ventilo qui est en permanence là? Je suis dehors. Alors là, normalement, t'as deux balles annulaires. Tu leur vois dans la gueule. Est-ce que ça vous arrive vraiment d'avoir affaire à des humains? Rarement, mais ça arrive. Cool. Et alors Ah, mais Sam, il va se calmer la chatte parce que là, il est chiant et chaud. Vous savez quelle sorte de drogue vous utilisez? Je ne prends rien. Je crois qu'il veut dire en interrogatoire pour faire parler les gens. C'est ça. Ah, j'aime bien les barbituriques. Rien ne vaut un sérum de vérité, mais les barbituriques, c'est pas mal. Okay. Quel genre? Les bleus? Les rouges? Ok, ma vie. C'est quoi déjà ce truc, le pinto machin chose? Je peux leur tirer leur caisse. Ah, faut que ça se met garde. Je crois qu'il y en avait deux. C'est votre type. Ah bon? Bon sang, il faut l'arrêter. T'as loupé le début du stream, Momo, c'est dommage, j'avais une petite surprise pour toi, c'était marrant. Ouais, le ventilo il s'arrête. Est-ce que c'est pas une petite façon de nous dire que le ventilo représente le flot de la vie et quand il s'arrête, nous aussi. Voilà. Voilà, vous y réfléchir. C'est cadeau, c'est gratuit, c'est. Est-ce que ça vous c'est pour vraiment moi. D'avoir affaire à des humains? Rarement, mais ça arrive. Cool. Et alors, vous préférez quoi? C'est pas grave, je le referai un autre stream dans deux semaines. Il préfère les pains dans la gueule, allez, dégage. J'ai bien cru qu'il allait jamais s'en aller. C'est notre ami. En personne. Où est Dougherty? Je vais aller le chercher. Il faut qu'on agisse vite. Lambert pète les plombs sur le coup de Kalinatek. À part lui, là, qui est nul un peu, les deux voix, là, mon gars, c'est... On ne va nulle part tant que vous ne m'aurez pas amené Dougherty. Mais il est là. On ne va nulle part tant que vous ne m'aurez pas amené Dougherty. Attends, c'est pas lui? Lambert t'a dit pour Sarah? Non. Elle n'a rien. La panne de courant lui a fait peur, mais elle va très bien. Ah. Ta joie fait plaisir. Je me disais, putain, parce que j'ai un super mauvais cas depuis le début. C'était l'individu qui mongolise. Non, 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 t'inquiète. Non, c'est juste le jeu qui casse les couilles. Hop, ouh. Ah oui, toi, tu prends du rab à la cantoche, hein. Dis donc. Merde, attends, je vois pas. Est apparu sur internet à 3h ce matin. Ceci est une déclaration de guerre aux États-Unis d'Amérique et à leurs alliés. Vraiment. Hein. Tant que tous les soldats étrangers n'auront pas quitté la Géorgie, cette guerre tu sais que c'est à cause enfin ou grâce dans le monde, à ce jeu à nos agresseurs. Que j'adore la Géorgie, enfin vraiment. L'équilibre des pouvoirs vient juste de changer. Et il n'est pas question de depuis ce trou de balle là, je suis fan de la Géorgie. Des États-Unis. Alors qu'avant, c'est pas la Géorgie, il y a une diffusion du message de Kombei Nikolatse. Ça se mange? Non. Contre point ironique à la situation aux États-Unis, les soldats américains en Géorgie et en Azerbaïdjan ont passé leur cinquième nuit sans affrontement. Bien que les tensions demeurent, le renseignement militaire s'est avéré incapable de localiser le moindre commando géorgien. Dégage. Leurs efforts pour tenter de localiser Kombei Nikolatse.
Les services de renseignement américains ratissent une zone de plus en plus vaste autour de la Géorgie. Chaque nouveau pays étant susceptible d'avoir conclu une alliance secrète avec... Sommes confrontés à une situation inédite dans laquelle de nouvelles frappes aériennes ne serviraient à rien. Tu vois, l'armée de Nicolas, je suis tellement fatigué que mon cerveau il a eu trois choix. Attends, peut-être plus tard dans la cinématique. Tandis que les familles préparent les obsèques de leurs proches, les forces de police et l'armée américaine se préparent à affronter le pire dans l'attente de la prochaine manœuvre de Kombei Nicolatse. Ah, ok, bien, c'est... Ouais, c'est bien Kelly Natek. J'aime bien Kelly Natek, moi. Elle est un peu compliquée, mais elle est bien. Tu vois, j'ai eu trois... Mon cerveau, il a fait... Mission est de sauver un certain salope, connasse, ou pute. S'est fait repérer sur le elle a trois choix, et il y en a qu'un seul qui s'est éliminé, je suis dit, celui-là, sorti. Ils déménagent et effacent toutes les traces de leur présence, y compris Ivan et ses camarades. Qui est Ivan? Un des hommes de Nicolatse, un programmeur. Ils descendent leurs propres hommes. Des éléments compromettants. Trouvez-le le premier. Consultez votre montre terminale. Qu'est-ce que t'as fait pour te faire insulter par ton paternel? Je sais qu'il y en a un ou deux là, je crois. Voilà. J'existe. Allez, prouve que tu existes. Non, merde, c'est pas ça, c'est... Putain, c'est pas ça! Est-ce que je peux les assassiner? Oh, ah, mais attends, il y a celui-là aussi. Et bois. Et bois. Dis. Les putes, c'est moins cher à l'est. Moi, ça va pas se passer comme ça. Moi, tu bouges. Moi, tu fais rien pour attendre. Moi, tu fais rien. Je l'ai pas tué, j'ai pas tué le deuxième. Mais tu les touches quand, ta mère. Bon, vas-y, recharge. Attends, je vais les master shooter en bonne et due forme. Ouais, mais attends, je suis fatigué et puis la visée c'est de la merde. La visée c'est pas de la merde, c'est juste qu'il faut attendre pour avoir un tir précis, quoi. Enfin, là, il y a quand même 50% de chance de te rater à la roulette russe, hein. Enfin, non, 50 non, je dis de la merde, mais enfin, ça dépend, tu joues comment, mais voilà, nique ta race. Et de 1. Ah, moi, je laisse pas vivre le bolchevique, hein, je l'assassine. J'ai cru voir quelque chose. Non, t'as rien vu. J'ai repéré l'ennemi. Mais t'as... mais moi je te vois pas, toi tu me vois, c'est quoi cette Nitaras? Je joue avec un Glock moi. Ouais, classique. Glock, chargeur amélioré, détente plus facile, et bien sûr, en 3 balles, pas une. Merde, je sais pas comment ça s'appelle le tir en 3 balles. Et comme ça, t'es sûr de gagner. Ticket. J'appelle ça un ticket gagnant pour le paradis. Tu m'offres Tarkov, Hoffman, comme ça on pourra faire des blagues ensemble. Burst, le burst. Moi aussi j'ai un gros burst. La belle burst. Maintenant je vais me soigner parce que je viens de commencer la mission, j'ai déjà perdu de la vie. Génial. Je fais les mêmes bruits après que j'ai vu Mou IRL, tu vois. Franchement là je peux utiliser que 60 balles ce mois-ci alors non. Ah, on est le 5. Ouais quand même. Ah ouais. Ah ouais. Je crois que là il y a un type. T'as du sang sur tes chaussures. Oh, ah, t'as raison. Je déteste ce plomb. L'autre venait directement de Gringo. Ouais. Ses accents coupés au couteau. Un délice. Depuis longtemps. Oh, il m'a dit de les boire. Mais non. Oh merde. Oh, d'accord. Oh, attends, je peux me faire apparaître maintenant. 41, c'est il y a longtemps. Oh merde, c'est le début de l'émission.
Bon, du coup, on fait quoi? On tue des gens ou on y va à la régulière? Dites-moi. Non, mais je cours pas. Toi, meurs. Étouffe-toi. Fais quelque chose. Mange un bout de bois et mange des lentes. Non, c'est pas un bout de bois, les lentes, mes cheveux. Oh là, ça va être compliqué. Putain, mais touche-le. Oh, genre, la première balle était dans l'épaule. Bon, ça, personne m'a entendu. Ah bah je vais exterminer le monde entier. Attends, ce dialogue là il est marrant en plus. T'as du sang sur tes chaussures. Oh, t'as raison. Je déteste ce plot. L'ordre venait directement de Grinko. Ouais. Si je m'écoutais, j'aurais décampé depuis longtemps. Oh, il m'a dit de les voir comme des moutons. Il a dit qu'on dégraisse le troupeau. Tu as une action à John Wick ? Let's go. Non, c'est pas Jean Wick. C'est pas Jean Wick, ça. C'est pas Jean Wick. Ok, c'est bon. De quoi très marrant. Je suis un marrant, moi. Je te fais rigoler. Ouais, j'ai réussi, mais ils se sont rendus compte, quoi. Enfin, je vois pas beaucoup de master shooter, hein. C'est par là? Absolument pas. Bah, j'ai tué. Attends, soin. Bah quoi, bah j'ai toute ma vie, là. C'est pas du tout. Ah non, là faut que je monte sur la caisse. Ouais, j'en repose dans la trousse de soins, t'inquiète pas. Note mes dires à 21h47, je n'aurai pas besoin de la trousse de soins. Faut pas que je me lâche, sinon je meurs. L'ouest du cinquième étage est sécurisé. On passe au sixième. Combien de clés de cryptage vous avez récupérées? Ça en fait 7. Je suis absolument pas tombé. Allez, chier. Merde. Ah non, c'est là. Ils sont morts après. Tu es sûr qu'il est mort? Tu rigoles. On voit son cerveau. Évidemment qu'il est mort. Et son machin de cryptage, là. La clé? Oui, la clé de cryptage. Je ne te ferai pas cet honneur. Je l'ai détruit. Viens, faut pas traîner ici. Je me suis un peu... Attends, est-ce que je peux... Attends, je vais tenter un truc. Que seuls 3 d'entre nous... Hey, qu'est-ce que c'est? Fuck. Ils étaient pas partis. Assez loin. J'en ai marre. Donc ça marche. En tout cas... C'est bon à noter. Y'a rien, tu vois rien. C'est un piaf, il a fait chung. Voilà, il a cassé un bout de vide. Bon, bah ça arrive, hein. Allez, va-t'en. Comme Sylvie, haha. L'humour. C'est bon? Qu'est-ce que... Eh merde. T'es sûrement une ombre.
Où ça? Où ça? Mais de qui? Attention! C'est pas les mots que tu veux en vivant une balle. Hein. Oh, c'est gunfight légendaire! Ok, infiltration, check. Non, non, non! Je suis pas tombé. Non, c'est pas vrai, je suis pas tombé. Voilà, je suis pas tombé. Mais vas-y, mais je croyais que je pouvais rentrer dans la salle. Putain, le petit face au mural vers les cieux là. Quelque chose. Je suis pas tombé, t'as pas de preuve. M'en fous. Code d'accès 97 53. Ok, c'est bon. 97 53. Panier. Il y a un panier. Oh oui. Eh, j'ai regardé Kuroko's Basket là pendant 3 semaines. Non, pendant 2. Eh, c'est bon, je suis un génie, regarde. Je l'ai mis ou pas? J'ai pas vu. Merde. Attends. 3 points. Eh, je suis qu'une sale merde. Je peux dunk? Non, je le mets. Je m'en fous, je le mets. Je le mets, on part pas avant que je le mets. Mais de la gauche. Un petit... Regarde, un petit rebond, avec un petit rebond. Eh putain, il est presque rentré. Hein. Et en vrai, dans la vraie vie, je suis meilleur au basketball. Hein. Mais si, en plus, je suis... Oh, mais non, je suis définitivement pas noir. Clairement, un QI supérieur à la moyenne. Voilà. Comme dirait Sardoche, je peux tout faire. Quel trou de balle ce mec. Hop. Mais non, mais tu vas entrer ta mère aussi là. Mais c'est la balle, elle a pas une bonne inertie aussi. C'est pas vraiment un basket. Ça se trouve, le premier, je l'ai mis et je l'ai pas vu. Ouais, non, ça rendit contre le mur. Oui, bah ouais, les balles c'est cool. Tu crois que je peux mettre en arrière? Genre. Je crois que je peux faire. Non. Et je veux le mettre. Mais putain. Mais je m'en fous de tes munitions de cul. Et pourquoi je peux mettre un vieux panier? Et si je fais tuc? Mais non. C'est un streamer français, Nick. Oui! Oui! Je l'ai mis! Je dab! Oui. Je suis sûr que le premier tir il était dedans aussi, hein, mais personne l'a vu parce que mon gros hippo l'est caché. Ouais, 1 sur 15, ouais, mais c'est tout ce qui compte, non? C'est le principal, c'est de marquer au moins une fois dans le match! Ouais, une fois, et bien ce que je dis. Hé, qu'est-ce que c'est? Ah. Ok. Et ouais, à défaut de réussir ma vie, au moins j'ai mis un panier. N'oublie jamais, Rome2. On fête toutes les petites victoires. L'aile du quatrième étage est sécurisée. On a 3 clés de cryptage. Et les fichiers sur l'arche. Tous détruits. Jusqu'au dernier. Ah. Ah oui, ah, miam miam l'assassinat. Bien sûr. Délicieux. Oh, cette tête de méchant russe. La semaine dernière, c'était les tourelles.
Et là, c'est les mines murales. Je me sers des joujoux qu'ils me donnent. Et obsédé par ces trucs-là. Avoue que c'est des beaux jouets. Oui, mais si on en pose trop, c'est dangereux. Évidemment, c'est même censé être dangereux. C'est des mines, bon sang. Oh, les autistes. Et après, moi, je suis un con. Ah, si, complètement. Oh, putain. Oh, c'est dur. Oh. Je suis là. Rallumez la lumière. Mais qu'est-ce que... C'est le vent. Porte fantôme, ça. Ah non, Napoléon a clairement été demandé pour faire ça. Hein. Ça se, il y a sa petite patte au niveau des mines, hein. Ça se ressent. C'est très belge. Petite mine in cook. Ouais, je me fais plaisir là. Hein. Là, on assassine à tue-tête là. Hein. On va pas essayer de se prendre les mines. Ça ferait chier. C'était pas une mine, c'était absolument pas une mine. Ça, c'est une mine. La musique elle m'a terrifié. Je voulais voir quelque chose. Non, non. Non, bah oui, mais non. Mais non, mais casse pas les vitres, on s'en fout. Et merde. Salut Taoud. Comment ça va, jeune ami de très banal voix qui n'apporte que des bonnes augures. Tant mieux. J'espère. Laissez les cadavres sur place. Les plats. Attends, je t'ai coupé en ton dialogue. Hop. Fais un sauvegarde ici comme ça, on n'aura pas trop tapé la cinématique à chaque fois. Je me sers des joujoux qu'il me donne. Ouais, ça va, là je suis crevé, mais sinon ça va en général. Mais si on en pose trop, c'est dangereux. Et que là, c'est même censé être dangereux. C'est des mines, bon sang. À 23h, je pense, je vais couper. Pas parce que j'ai pas envie, mais... Je streamerai bien jusqu'à 7h du matin. Hein. L'envie est là, mais... Je suis là, je suis claqué, rallumez la lumière. On peut pas les assassiner comme ça. Chercherai. Ah, de toute façon, tu brûleras avec le feu. Demain à 4h30. Oh. J'ai des lessives à faire en plus après. Non, tu viens pas. Ok, c'est bon. Mais comment ça, tu t'explosion? J'ai presse I. Fucking I. Et là, il fucking die. Je me sers. Oh, this shit, what the fuck. Je suis obsédé par ces trucs-là. Avoue que c'est des beaux jouets. Oui. Mais oh, vas-y, c'est bon, ils m'ont saoulé. Ah, si, c'est bon, bah, l'annulaire. Ah, tu vas prendre mon gros annulaire là où tu le penses. C'est des mines, bon. Allez. Je suis là, rallumez la lumière. Quelqu'un a attaqué. Ah, là, c'est bon, allez, ils m'ont saoulé. Ah, faut... Mais j'ai même pas vu quand est-ce que j'avais appuyé. Qu'est-ce que je fais demain? Bah je... On improvise. Zigzag. Zigzag.
Voilà ce que font de 3 heures de sommeil à un homme. Je me sers des joujoux qu'il me donne. Tu es obsédé par ces trucs-là. Avoue que c'est des beaux jouets. Oui, mais si on en pose trop, c'est dangereux. Évidemment, ah. C'est même censé être dangereux. C'est des mines, bon sang. Attends, mais comment tu voulais que je sache que c'était sur le verre qu'il fallait que j'appuie forcément pour la désactiver la mine? Je suis pas minier, hein, moi, je peux pas savoir, hein. Non, non plus. Allez, tu peux le faire, tu peux le faire. Je crois en toi. Sam, je crois en toi de toutes mes forces. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Bon, ça marche pas. T'es bien en désamorçage ce que basket. Vas-y, j'ai envie de faire du basket dans la vraie vie maintenant. Non, mais par contre, faut toucher un. Faut que tu touches un jour. Hein. Voilà. Je te regrette pas, je dis juste que t'es un gros bobé. Eh, mais je suis fatigué aussi. Bon, ça n'excuse pas tout, mais. Vas-y. Ça excuse un peu, non? Genre un petit. Vas-y, ça excuse au moins le basket. Allez, s'il te plaît. Ah ouais, bi. Lourd. Oh là. Ah, bah, demain je bosse. Hein. Demain je travaille, je vais au charbon. Non! Je sais plus quand c'était vert, hein. Ah, c'est bon. Ça va faire. Ok. Ah! Ça sert juste à regarder la caméra glue, c'est tout. Il est parti. Je tire à l'aveugle, je ma télé s'éteint, je tire à l'aveugle. Sortez où que vous okay, soyez. Bon. Ah non, c'est dans les plus récents, je crois qu'on peut avoir des caméras glue qui ont l'électricité ou quoi, non? Est-ce que... Attends. Ensuite, ton action s'arrête le temps. Eh oui. John Matrix, elle pareil. Pour servir. Merde. Ouais, l'appareil de pouvoir servir, c'est bon, vas-y, tranquille. Bon. Eh. Toujours pas... Toujours pas d'alarme de déclencher. On a tiré les verres du nez à Ivan. Il reste un groupe de programmeurs mercenaires encore en vie au troisième étage. Okay, ils sont coincés derrière un paquet de mines murales. Vous croyez qu'ils ont les clés de cryptage? Ça vaut le coup de vérifier. C'est quoi ce bordel? Oh, ça m'a tellement beaucoup trop surpris, mec! Il y a quelque chose qui bouge là-bas. Son imagination. Est-ce qu'il serait intéressant? Ce n'était sûrement rien. Vas-y, je me tiens.
Oh, c'est pas du tout indiscret. Je suis escort boy. Mec, il sort sous impression. Non, Allô ? Mon appartement brûle ? Serait-ce les flammes de l'enfer qui viennent m'emporter pour toutes mes impunités ? Non, non, pour toutes les farces que j'ai fait en toute impunité ? Rallumez ça ! C'est une alarme chez moi quand on entend, y a pas de problème. Si vous n'entendez pas, tranquille, mais y a eu l'alarme qui sonne, c'est dans l'immeuble. C'est quelqu'un qui a mis le feu chez lui. Ou de la fumée. Ou jusqu'à sonner l'alarme dehors, enfin bon, tranquille, pas de problème. Oui, normalement je suis censé sortir. Sortez. Normalement je suis censé sortir sur le parvis, mais bah, je suis un peu occupé. Du coup bah si je meurs là tout de suite maintenant, heureux de vous avoir connu. Mais sinon, moi, pour répondre à ta question, je bosse dans une station de montage. Du coup, je fais des cartons. J'ai pas de mot de passe. Non, je reste celui-là. Ah non. Donc là c'est la magie merde. Putain mais ils peuvent pas la couper, si c'est bon, on a entendu qu'il y a le feu. Je sais pas si je suis désolé si vous l'entendez hein, je peux rien faire là. Au moins ça porte un peu de piquant. C'est immersif. Ah bah pour le coup ouais c'est immersif hein. Là franchement on avait pas vu ça depuis... Ah y'a eu... On avait pas vu ça depuis, j'allais dire depuis Tokyo, on mais non, c'est pas Tokyo. Il reste un groupe de programmeurs mercenaires encore en vie au troisième étage. L'usine qui a explosé. Ils sont coincés derrière un paquet de mines murales. C'est en Chine. Vous croyez qu'ils ont les clés de cryptage? Ça vaut le coup de vérifier. Non, bon, c'est peut-être vraiment le feu chez quelqu'un et moi je fais des blagues. C'est pas drôle. Vas-y, rien ici. Ah mais ils sont là. Oh le naïf. Oh mais comment je suis aussi naïf. Mec j'ai vu les mecs, j'ai fait ah ils sont là les copains. Il reste un groupe de programmeurs mercenaires encore en vie au troisième étage. Ils sont coincés derrière un paquet de mines murales. Oh oh. Vous croyez qu'ils ont les clés de cryptage? Les mines. Et les trois ils se sont regardés, ils ont fait et ils sont morts. Non c'est bon, ça sent pas le bruit, vas-y tranquille. Non ça c'est, je suis sûr que c'est encore quelqu'un qui sait pas faire à manger tu vois. Et un nouveau parce que ça fait longtemps que c'était pas arrivé ça. Qui sait pas faire à bouffer. Et qui a fait cramer son huile. Et du coup ça a fait sonner l'alarme, voilà. Franchement c'est... je vais pas chercher plus loin parce que c'est vraiment ça quoi. Ou alors un trou du cul qui s'est dit vas-y je fume dans mon appart, y'a aucun problème. Ok. 1 sur 2. Et c'est bon, 2 sur 2. Ok bon alors les gars. Les gars.
Il me faut une clé de cryptage. On n'en a pas. Et je devrais te croire? Il y a une bombe. Quoi? Les Spetsnaz ont mis une bombe afin de détruire toutes les archives. Putain. Le seul problème, c'est qu'elle est située juste à côté des tuyaux de gaz. Ça va faire sauter tout l'étage. Comment on y accède? Il vous faut le code d'accès de la porte. Je crois que c'est 3, 3, 5, 7, 5. Ah non, j'ai pas retenu. Grimm a vérifié sur les plans du bâtiment. 3, 3, 5, 7, 5. Okay. Son histoire de tuyaux de gaz, c'est du sérieux. Je suis en route. Dépêchez-vous, vous n'avez pas beaucoup de temps. Oui, bah super. Ah, j'ai 2 minutes d'essayer. Il y a quelque chose qui bouge là-bas. J'ai un homme inconscient. Oh Dieu! Et qui c'est bon? Tout était prévu. Bon, maintenant, vite, il y a une bombe. Il y a une bombe dans les parages. Non! Oh, j'ai appuyé sur le rouge, je crois. Non! Oh, mais non! À une seconde près, je l'avais, je crois. Putain, j'ai trop la haine. Oh, j'ai trop le seum. On a tiré les verres du nez à Ivan. Il reste un groupe de programmeurs mercenaires encore en vie au troisième étage. Ils sont coincés derrière un paquet de mines. Ah, j'ai trop le seum. Vous croyez qu'ils ont les clés de cryptage? Ça vaut le coup de vérifier. J'aurais juste pu passer en sneak aussi, mais... Non, j'ai pas remarqué, mais t'as vu comment il garde sa main près de son flingue direct pour dégainer? Bon, bah là, il le dégaine pas, mais... Enfin, il dégaine pas le flingue, mais... Enfin, son pistolet. J'ai un homme inconscient. Voilà. Ça c'est fait. Allez, c'est vite à la con. Oh bah pas la faire exploser non plus hein, la mine, hein, désamorcer. Faire ça proprement. Ok. Hop. Pas faire le fou. Et hop. Parlez-moi maintenant. On s'oublie, parlez-moi. Il me faut une clé de cryptage. Et je... Quoi? Comment? Oui, j'ai un peu speedrun. Grimm a vérifié sur les plans du bâtiment. Son histoire de tuyaux de gaz, c'est du sérieux. Je suis en route. Dépêchez-vous, vous n'avez pas beaucoup de temps. Eh franchement, 2 minutes 30, t'as le temps de t'aller te faire un café, aller acheter un kebab et de désamorcer une bombe. On transporte jamais assez binuraux, de quoi tu parles. Alors du coup c'est 33 175 je crois. Yes. Ah oui. Ils en ont mis partout. Enfin que je suis un fantôme parce que... Ok. Non, c'est bon. La bombe elle est là. Ouais. Bah j'ai pas de crochet. Oh merde. C'est à l'ancienne, hein. Avec tout le doigté qui m'est dû. Putain, mais elle a combien de loquets? Ah bah tous, ok. Voilà, aussi doux qu'une tarte aux pommes. Et là, tu te dis que la CIA, elle avait pas des loquets aussi persistants, quoi, genre... Écoutez, c'est de la merde, il reste que 40 secondes par contre, c'est chaud. C'est parti. Ah, c'est tout? Bien joué, Fischer. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. J'ai piraté le circuit électrique.
Quelqu'un a actionné le disjoncteur de la porte coupe-feu. Vous ne pourrez pas ouvrir les portes tant que vous n'aurez pas trouvé le disjoncteur. Consultez votre montre terminale. Ah, oh bah dis donc, c'est... Ah, oh, c'est... Oh, j'ai presque peur. Oh là là, dis donc, oh, dis donc, con. Ah, oh, m'en fous. Il y a un assassinat au bas ou en bas ou j'ai rêvé. Je crois qu'il y a un gros coup de feu en bas. Hop, mettre celui-là en haut à côté de son pote. Voilà, faites un bon dodo. En couple. Eh merde. Putain, ça de tout côté, j'ai oublié. Dommage. T'as pas d'alarme du tout dans le niveau? Si, je crois qu'ils peuvent déclencher l'alarme, hein, mais ils l'ont pas encore fait. J'ai pas ce code-là. Y a un mec qui est là, je crois, qui est pas loin. Bah merde. Non mais allume. Ah. Je viens de repérer quelqu'un dans l'auditorium. C'est peut-être notre intrus. Envoyez-moi des renforts, vite. Alors je sais pas qui c'est qui a dit ça, mais bon. Bah ok. Est-ce que je peux les avoir à distance? Ouais, vas-y, attends, je peux essayer. Qu'est-ce qu'il est flippant dans la nuit? Mais il vient un jour ce trou de balle ou... Ah, oh putain. Je sais même pas si j'en aurais besoin après, du coup c'est pour ça que je les crame maintenant. Pas un dernier? Y'a pas un dernier? Ah bah si, c'est le retard de la bande, ça c'est Ludo ça. Voilà. C'est un code j'espère. Pas du tout, putain fais chier. Normalement y'a plus personne je crois. On sait jamais, attends. Ouais plus personne. Alors grenade, et je prends, magnifique. Parfait, kit de soins. Oh oui, ça, oui, ça je prends ça. Oh bah oui, mais tracteur, bah ça c'est parfait. Bien sûr, je prends. Voilà. Et là, normalement, on va avoir un trou de balle. Bah. J'ai dit, là, normalement, on va avoir un trou de balle. A bien, Taras. Bon bah j'ai menti. Ah si. J'ai un homme inconscient. Ok. Tout 50. Mais voilà, franchement la mission elle se passe pour l'instant, elle se passe pas trop mal. À part les quelques mines. Ah ça va s'compliquer là. J'ai parlé peut-être un peu vite. Ah non mais la CIA... Attends, je crois que j'ai un truc au frais, juste aller chercher vite à fait, j'en reviens. La CIA, c'est vraiment la pire des missions. Ah, merde.
hop. 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 Attends, ça va un petit fond. Mais ouais, non, non. Le fait que tu puisses tuer personne, que t'aies pas beaucoup de gadgets, vu que c'est la première fois que t'es là, t'as l'arme et il t'enfile genre 4. Et que c'est plein de couloirs arrondis et de bureaux avec des fenêtres en verre. Enfin, c'est vraiment la pire des missions, sérieux, la Sega. Non, quasiment tous les jeux confondus en plus, hein. Genre, je crois que je me souviens pas d'une mission qui est autant fait chier que celle de la CIA dans tous les Splinter Cell, hein. Vraiment. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose qui bouge là-bas. Merde. Merde. Oh putain. Mais comment? Ok, c'est bon, toi bien. Hop. Ça? Vous pouvez parler. Je veux pas mourir ici. C'est personne vous, de mourir ici. Qui ça? Non, j'ai mal. S'il vous plaît, aidez-moi. Ah, si tu veux, je peux t'aider, hein. Dommage. Oh, je voulais bien t'aider, moi j'étais content de t'aider, j'étais heureux de t'aider. J'ai la main sur le cœur. Il me semble un jungle qui est chiante aussi. Non, j'ai pas trouvé si chiante que ça. Mais c'est pas une des premières missions en plus dans la jungle. Oh, oh, yeah. Oh non. Oh, cette chance qu'il a. De toute façon, le 2, je suis un petit peu. Comment dire? Le 2, je l'ai fait avant, c'est mon. Mais merde. Je prends son arme. Ouais, bah, tu l'as mis un chargeur dans le cul, du coup, je prends son arme. Alors, moi, first. Oh putain, c'est super longtemps en plus, la sauvegarde. Non, ça va. 2, je suis un peu impartial avec parce que c'est le premier que j'ai fait et je l'adore tellement de ouf. Ouais, je suis biaisé. Je suis complètement biaisé. J'ai entendu du bruit. Non, en Indonésie, c'était vraiment trop bien. Comme ma sœur. Ah, ta sœur, elle est bien biaisée. Respect à ta sœur, hein. Respect Women 2019. Ta sœur a peut-être quelqu'un de très gentil, je sais pas. Hop, allez, dégage. Eh, franchement, on loupe pas. Yes. Ah mais putain, mais t'as vu les balles que tu loupes aussi, mon ref. Que vous soyez. Putain, il a dit, t'abuses là. Vous êtes un homme mort. Ou direz que quelqu'un a des ennuis. Sortez, vous ferez rien. Merde. Vous êtes un homme mort. Moi je me tire. Sortez, vous ferez rien. Que je fais, ouais, parfait. Je crois que ça le tue si je tire sur le. Vas-y, j'ai envie de tester. Ça se regardait. On m'attaque. Ah, ouais, si, ah, ça le fait.
Ah, c'est cool ça. Ah, mais ça l'assomme. Mais c'est trop stylé. Salut Bobo, comment ça, poteau? Hop, allez, bonne porte blindée, délicieuse. Au travail, Fischer. Maintenant que les portes coupe-feu sont ouvertes, vous allez pouvoir rejoindre Ivan. Mais les Russes aussi. Vous avez intérêt à vous bouger pour le trouver avant eux. Non, je dis popo. Changement de situation. Non, j'ai dit popo. Pour ne pas avoir d'ennuis au niveau politique, on a mis le FBI au parfum. Et ils demandent qu'on leur laisse Ivan. Qu'est-ce que je fous? Ah, tu vois, regardez leur livre, j'ai dit popo, j'ai pas dit momo. Retrouver Nicolas Tse, c'est sa clé de cryptage. Récupérez-la et on est tranquille. Vous avez un peu la même couleur. Elle me rend pas fou quand je suis déjà fatigué. Hein. On a déjà vérifié ce couloir. On a peut-être yes, raté moi ça me fera un clip. On va revérifier. Comment aurait-on pu rater quelqu'un? Écoute, l'ordre vient de Vyacheslav. Ouais, mais qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose qui bouge là-bas. Non, il y a rien. Tais-toi donc. Mais j'ai dit salut Popo! J'ai pas dit salut Momo, il est venu tout à l'heure déjà! Mais non, mais si tu veux entendre salut Momo, tu vas entendre salut Momo! Je te crois pas, tu mens! Voilà, tu mens! Oula, tu mens! Mais non, mais monte toi aussi! À qui tu parles? Qui est au bout du fil? Non, je vous en prie. À qui tu parlais? Tenez. Je me fous de ton téléphone. Je veux que tu... Ah! Hop, ça, tu me donnes ça. Et toi, les nerds? Oui. Vous êtes américain? Vous êtes la police? Oui et non. Les flics sont en route. Jusqu'à ce qu'ils arrivent, je suis votre seul ami. Et pas le meilleur, en plus. Il faut partir. Vite. Ils vont bientôt nous trouver. Je suis pas là pour ça. Donnez-moi votre clé de cryptage. C'est pas ce qui était convenu. Les fédéraux vont vous sortir d'ici vivant, mais d'abord vous devez me donner cette clé. C'est pas ce qui était convenu. M'en fous, tu veux une droite? Écoutez, tu veux une droite des libertés? Est-ce que je viens vous expliquer comment tuer des civils? Vous êtes la police? Non. Alors venez pas mettre le nez dans le dos. Les fédéraux sont en route. Mais je vois ce qu'il dit, prévu. Déjà arrivés. Ils vont vous tirer de là. Donnez-moi la clé ou je serai obligé de vous la prendre. C'est pas ce qui était convenu. Vous manquez de vocabulaire, mon vieux. Allez, donnez-moi cette clé. Je suis crevé et je déteste faire crier les gens. Ça me déprime. Et ben moi pareil. Voilà. Et en attendant les fédéraux. Sam Fisher égale moi-même. Nom de Dieu. J'y suis autant. Vous êtes pas là pour lire. J'aime pas du tout quand vous dites ça. Les Russes tiennent tout le dernier étage. Vous allez devoir faire du ménage avant que l'Osprey puisse se poser pour votre extraction. Let's go. J'ai un PV. Let's go. Mais j'ai 5 grenades et ça c'est cool. Vous êtes un homme mort. Je sais pas qui parle mais moi je le tire hein. Sortez où que vous soyez. Et là on va s'amuser. Et là ça va être du fun. Parce que là il y en a partout. Hop, la doublette. Putain, il est où le con? Il est où le con? Il est où? Sortez où que vous soyez. Hop, ouais. Pas de pitié pour les borches. Ah, c'est derrière, ça t'as compris. Ouais, faut monter là, non? Ouais, si.
Non. Je suis passé par l'échafaudage. Attends, il y a un truc qui s'appelle de la vie, je prends. Allez, prends. Oh non, mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, d'accord. Non, c'est pas grave, c'est au moins t'es là, c'est bon. Non, rien à faire. Dommage. Dommage. Vivement demain matin. Le boulot de ce soir est un des pires que j'ai jamais fait. Je suis bon au basketball. Ça sera bientôt fini. Bizarre. Qu'est-ce que... Un vrai crack. Comment je prends les grenades? Non, je code. Non, pas tout de suite. Il y aura du gunfight après, donc. Oh merde, j'ai déclenché, mais c'est pas passé. Je pensais le foutre KO, mais trop tard. Fais chier. J'ai cru voir quelque chose. Hé! Hey, qu'est-ce que c'est? Ah, tu peux carrément le speedrun en fait le passage. Je ne suis pas assez payé pour ça. Descends. Vivement demain matin. Le boulot de ce soir est un des pires ça que j'ai jamais fait. Sens. Qu'est-ce que... Mais bien sûr que ça n'a aucun sens, c'est une canette qui vole. Merde, il veut me voir. Il est parti. Oh merde. The Big Doom Doom. Non, après j'ai qu'un HP aussi, donc je m'étonne que ça va être pour... J'ai cru voir quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Hop, allez. J'ai repéré l'ennemi. Non. Dégagez le passage. Tu sais que juste en moi, j'allais dire speedrun strat. Bah, pas de ouf. Pas trop, non. Mais non. Oh là là. Voir quelque chose. Laissez tomber, il est parti. Quoi? Restez en position. Comment il me... Cet homme a des yeux de faucon? Bon bah je vais juste attendre hein. Eh par contre les mecs ils me voient à travers les murs là hein. J'ai quoi du coup sur moi? J'ai caméra glu, grenade, ouais, ça sert pas à grand chose. Ah non, mais là, le wallbang, un petit peu de wallhack, là, ici, pas de problème, hein. Ça va les Russes, tranquille, on fait pas chier. Hé, hey, qu'est-ce que c'est? J'ai repéré l'ennemi. Ah oui, ouais, ok, ouais, je vois en tout. Et là, il m'en perd pas. Je viens de tracer tout droit, mais oh là là. Accroche-toi, bon. Merde. Bah. Attention. Mais bah non, il veut pas. Tu m'as menti. Tu m'as menti. Attends, mais... Oui, bah... Ok, Sam. Bien, c'est bien, Sam. Je fais des gros tuyaux, Sam. Il veut pas. Non, mais il veut pas, hein. Sinon, je me sens déjà accroché, là.
trois chacun? J'en ai tué un, et lui quatre. Oh non, de Dieu. Quatre? Du beau boulot. Oui, bon. Ah. Et toi? Combien tu en as descendu? Oh non. Aucun. Mais j'en ai forcé un à regarder. Y a pas de honte à ça. Ouais, et j'imagine. Ah mais... Attends, non, c'est ça que je veux. Qu'est-ce que... Oh, comment ça s'est produit? Ok. Je suis clairement probablement pas censé y aller. Ici. Je suis comment après, ouais. Oh, comment merde, ça s'est produit? Attends, je suis en train d'exploiter des trucs là. J'ai cru voir quelque chose. Oh, comment ça s'est produit? Ok. Ouais non, je veux aller trop loin. Mais non, je veux funambulismer. Je veux faire le funambulisme. Je funambule. Tu m'aimes pas quand je funambule? J'adore funambule. Oh, un bon funambule. Comment ça s'est produit? Ouais, c'est parti, c'est GOB là. Là, GOB sale là. J'ai cru voir quelque chose. Ah mais attends, mais c'est sale. Dvarch. Merde, ça marche pas. Dommage. Mais comment tu loupes? Comment ça s'est produit? Hé, hey, qu'est-ce que c'est? Ah, vu qu'il y a la lune, il me voit, je crois que c'est... Putain. Dvarch. Ah, fallait pas venir, hein. Tu l'as cherché. Merde. Voilà son pote. Ah non mais ça, les doublages de mort, ils sont gauleries ça. J'ai cru voir quelque chose. Non, je vais chercher le soin parce que je vais avoir un petit peu de baston après. J'adore la vision thermique, elle est vraiment trop bien, sérieux. Normalement, est-ce qu'il devient tout froid? Et boum, et il devient tout froid. Il est mort. C'est vraiment trop bien ce jeu, sérieux. Beaucoup, j'adore. La petite sauvegarde, hop. Le rigor mortis et tout ça arrive vite. Le rigor mortis, ah ouais, le fait de d'être froid, d'être tout froid, tout mort. C'est ça que t'appelles, comme ça que ça s'appelle en langage de gens intelligents. Ah, ouais non. Ouais bah ouais mais en même temps. Alors du coup, voilà. Ah, rigide dégâts de RX AG.
Alors ça tu manges. Voilà. Attendez ici. Non ça va être tout dur. Restez. Ah c'est pareil. Restez là. Sautez où que vous soyez. Putain, j'ai hâte de pouvoir viser pour de vrai parce que là c'est pas foufou. Ouais. Moi 1, E, 0. Ah faut quoi suivre. Non j'ai pas de lunettes hein. Je peux pas mettre de lunettes le... Non, clic gauche, non, ça non j'ai pas de lunettes. Pas dans celui. Merde. Pardon. Pas dans celui-là. Je crois pas, attends, je vais regarder les touches, on sait jamais. Zoomer, dézoomer, ouais mais. Ah si peut-être. Attends, merde. Ah la roulette. Ah si. Oh ça a l'air. Oh ça a l'air galère par contre. Ah ouais. Mmh. On se souvient même plus. Laissez tomber, il est parti. Oh c'est la merde. Oh c'est la merde, disait une par contre. C'est contrôle la touche pour tenir l'inspiration. Mais la grenade par contre je l'ai pas vue. Ok j'ai bien fait de faire un sauvegarde juste avant. J'ai touché. Où que vous soyez. Non, ça va bien. Sautez. On ne vous fera rien. Vous êtes un homme mort. Et oh merde. Oh non, il était pas de coup. Ouais, bah la lunette c'est galère à utiliser. Hein. Même avec le merde. La respiration. Non mais je vais y aller à la grenade, t'inquiète, ça va pas. Ça va prendre autant de temps que ça. Ah mais si je loupe aussi les grenades, mon bug. Voilà. Sortez où que vous soyez. Ok. Voilà, c'est bon, suffit d'être l'Apex Predator et on gagne. J'ai littéralement un HP. Genre, je tombe, je me fais mal au petit doigt de pied, je décède. Et c'est pas une vanne. Ok, bon, moi, il donne un peu de munitions. Ça fait une demi-heure qu'on pointe ici et je t'ai pas vu fumer. C'est bon, laisse tomber. Tu te fais des réserves ou quoi? J'ai dit laisse tomber. Bah ouais, il a bien raison. Mais qu'est-ce que... Merde. Est-ce qu'ils vont venir là? Non, quand même, pas. D'abord, mec, les 3-6 qui se tapent, les mecs, c'est incompréhensible. Hein. Vraiment. Il passe la porte, il meurt. Hein.
Passe pas la porte. C'est pathétique. C'est pathétique. Vraiment. C'est pathétique. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Sérieux, j'ai pas les mots. Putain, il y a encore des mines à la con. Non, j'ai pas vu qu'il restait qu'une balle, ma faute. Non, c'est. Voir quelque chose. Laissez tomber. Sortez. On ne vous fera rien. Assez avant pour toucher la mine, first try hein. Ah il a juste est-ce qu'il a juste perdu son bonnet? Il a juste perdu son bonnet. Et là ça va être un peu plus tendu là déjà. Enfin genre ça l'était pas déjà avant, tu sais. J'aurais dû lancer une caméra glue en fait. Je suis con. Oh merde. Oh le con. T'aurais pas une cigarette? Je viens de t'en donner une. Je l'ai fumée. Quand ça? Ça fait une demi-heure qu'on poirote ici et je t'ai pas vu fumer. C'est bon, laisse tomber. Tu te fais des réserves ou quoi? J'ai dit laisse tomber. Non, merde, j'ai plus de grenade, dommage. On va laisser passer tranquillement, gentiment, comme quelqu'un qui sait jouer, voilà. Du bon gameplay. Ok, tout se passe bien. Ok, c'est le chaos. Hey, et merde. Vite. Dégagez le passage. Improvise. Qu'est-ce que... Attention. Mais putain, mais je... Dégagez le passage. J'ai réussi à faire tomber son bonnet, mais pas à le tuer, c'est quoi cette merde? Qu'est-ce que c'est? Laissez tomber, il est parti. Ah, il y en avait en bas. Ah. Ah, je me galère la chatte. J'aurais pas du tout cramé de mes utilitaires comme une sale merde. Où je suis? What? Attends, mais je suis où là? Ah, par là. Promis, la prochaine fois j'aurai un peu plus de sommeil et il y aura du bon gameplay, t'inquiète pas. T'aurais pas une cigarette? Je viens de t'en donner une. Je l'ai fumée. Quand ça? Ça fait une demi-heure qu'on poirote ici et je t'ai pas vu fumer. C'est bon, laisse tomber. Tu te fais des restes. Qu'est-ce que... Hop. Oh putain, t'es sérieux? Comment ça s'est produit? Comment ça s'est produit? Qu'est-ce que c'est? Non, je prendrai pas le sang, j'en ai fait la mission à un HP.
J'ai envie de clutch là. Bon, je suis déjà mort 18 millions de fois, mais c'est pas grave. Comment j'ai loupé? Comment ça s'est produit? De quoi, Stalker? Quel langage parles-tu? Bonsoir. Salam alaikum? Non? Je sais pas. C'est Amon Tabin la soundtrack. Ouais, et. Enfin merci, ouais, ok, c'est. Oui, je sais, tu es très gentil, mais pourquoi? As-tu un fact généreux? Oh. As-tu un fact généreux et intéressant à nous partager? Est-ce que ça s'exploserait pas? Si ça explose. Hey, qu'est-ce que c'est? Oh, comment ça s'est produit? Alors c'est facile. J'ai un cadavre ici. T'es dans les flammes de l'enfer par contre là? J'ai des ennuis. Mais ils sont nus. Mais il est où? Bon, bonsoir. Non, mais non. L'ennemi fuit. L'ennemi en a marre. Ça, il était connu. Ah bon? Non, le rouquin! Je vais te venger! Peut-être. On prend l'en bas. Il meurt où sur console? Parce que moi j'ai toujours vu mourir à Kalinatech, hein, le rouquin. Merde. Putain. J'ai cru voir quelque chose. On peut pas la passer. Dans le niveau de la centrale nucléaire. Eh bien, je me souviens 100% plus du tout de ce qui est mission dans la centrale nucléaire. Vraiment, je l'ai complètement oublié, mais. Sauvegarde, pour pas le voir se faire taper en boucle, le pauvre.
Oh mais merde. Ouais bah je crois que j'ai fait que le jeu sur PC le premier. Je crois. Parce que ouais, j'ai jamais eu de cette mission là. C'est dommage. Elle est cool ou quoi la mission? Mais non mais putain j'ai pas le temps de tuer l'autre. Ah mais c'est celui qui monte à l'échelle en plus. Putain, faut que je m'en change direct. Elle meurt un jour par contre. Ouais elle est sympa. Ah fait chier, dommage, j'aurais mieux aimé la faire mais Oh merde, elle est assez tendue. Oh ça c'est cool Ah c'est casse-couille que, qu'on ait pas accès à ça sur PC. Non, c'était dans ta tête. Attends, je vais peut-être utiliser le viseur. Con aussi, moi. Oh là. Oh là, c'est une entreprise très compliquée de viser avec cette merde. Mais par contre, il y a un DLC sur PC. Ah ouais? Putain, je savais même pas, mec. Steam me l'a jamais proposé. Voilà. Ok. C'est quoi le DLC? J'en ai parlé l'autre fois. Ah bon? Ah merde. Ouais mais là je suis pas en mesure de me rappeler de trucs comme ça, je suis désolé. On voit la mort de masse, putain, sérieux? Stylé. Mais il est sur Steam le DLC en disponible? J'ai même pas l'impression. C'est classe, en tout cas. Bon bah moi les potos, je sais que ça fait un petit stream, hein, c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire, mais là, là je suis clacasse là. Du coup, moi je vais vous laisser je pense. Montre la cinématique et puis de tristesse. Press F into the chat, comme disent les streamers connus. Je suis foutu. Ils m'ont tiré dessus. Ah ça c'est moi après j'en ai de boulot ça. Tu vas t'en sortir. Fais comment normalement? C'est tu t'es fait tirer dessus un sacré paquet de fois toi. Ouais mais pas dans les boyaux. Je vais m'en sortir. Ouais tu vas t'en sortir quand même. Ouais ça va aller. En vrai j'avais trop le seum la première fois hein. Vraiment j'étais trop mal. J'étais genre mais non. Vous allez bien? C'est une blague, je suis désolé. Putain, quel chien l'envers! On fait demi-tour. Vous partez pour le Myanmar. Votre mission n'est pas terminée. Et pour Wilkes, on est en train de lui chercher un remplaçant. On a peut-être un agent au Japon qu'on pourrait emprunter. Une femme du nom de Cohen. Pourquoi le Myanmar? Nicoladze. Grâce aux données de Sèvres-Nickel, on l'a localisé à l'ambassade de Chine à Rangoon. Les Chinois soutiennent Lambert, il a la situation il politique vraiment, ils se présente pas les couilles. S'il s'avère qu'il soutient Nicoladze, vous avez intérêt à trouver des preuves solides. Si on déclenche la Troisième Guerre mondiale, que ce soit pour une bonne raison. Ah ouais, c'est la mission il en Chine. Il vous reste un peu de temps avant d'atteindre Rangoon. Si vous voulez appeler Sarah, je peux vous connecter sur une ligne sécurisée. Non. Ça, elle est bien la mission en Chine.
Mais en vrai, les cinématiques et tout, ça importe un vrai cachet au jeu, c'est trop bien. Désastre évité de justesse à la station d'épuration de Pickett Gap dans le Tennessee. Non, en tout, lundi prochain, je bosserai probablement d'après-midi. Encore un acte de terrorisme. Du coup, je finis à 20h. Là, cette semaine, tous les jours sont pris par les potes. L'OTAN et les organisations militaires. À part peut-être dimanche où je pourrais streamer. Peut-être. Continue à découvrir les cadavres laissés. Il y a moyen que je fasse un truc qui est sorti il y a pas longtemps. Du président un truc pépère. Sans l'intervention mais la semaine prochaine, c'est mort. Station, et la semaine d'après, des milliers de personnes auraient pu tomber très gravement malades en buvant de l'eau polluée. D'abord, ils prétendent qu'on est tranquille et après, ils viennent nous dire qu'on doit faire bouillir l'eau. 2004, quand même. Le désastre évité à Pickett Gap marque sans doute un tournant dans la crise informatique géorgienne. C'est la première fois que les autorités américaines ont réussi à identifier et à prévenir l'un des actes de terrorisme de Nikola Tse. Décrit les premières négociations diplomatiques avec la Chine comme un mélange de silence et d'hostilité. Ouais, voilà, les États-Unis suspecteraient la Chine de soutenir les Géorgiens et se serviraient de ce prétexte pour inspecter les arsenaux chinois. Un soupçon infondé selon les Chinois qui refusent pour l'instant toute coopération. Ce qui rend encore plus pressante, si c'était possible, la nécessité de retrouver Kombei Nikola Tse. Bon bah voilà. Bon bah la prochaine fois ça sera en Chine, ça va être bien. J'aime beaucoup la mission Chine. Chut. Hop. Voilà. Putain, je suis fatigué. Non, tu t'es, je ferme ça. Ouais, bah, merci d'être passé en tout cas, les potos. Merci pour les dons et les subs. Hein, et les follow aussi, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis, je sais pas quand. Aucune idée. Peut-être à samedi si je participe au stream de groupe, Inch'Allah. Sinon, bah, je vous dis à dimanche. Hein. Et attends, je vais vous dire qui c'est qui stream demain quand même. Je sais pas, je parle un chien. Demain, c'est Ruru. Voilà. Du coup. Mets une petite musique en attendant. Et puis, je vous souhaite la bonne nuit. Moi, je vais littéralement aller me laver les chicots. Et Dicevin dans mon pieu. Allez, la bisette. Tiens, hop.